La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle le débat sur l'application de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. La conférence des présidents a décidé d'organiser ce débat en deux parties. Dans un premier temps, nous entendrons les orateurs des groupes puis le gouvernement. Nous procéderons ensuite à une séquence de questions-réponses. Alors, la parole est à Monsieur Stéphane, pardon, je ne l'avais pas vu, de l'autre être, pour le groupe socialiste et apparenté pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La loi du 22 août 2021, dite climat et résilience, a été amorcée en s'appuyant sur une procédure inédite qui a soulevé les espoirs et les attentes d'un grand nombre de nos concitoyens. Innovante dans sa méthode, la Convention citoyenne a permis d'effectuer un travail de fond dégageant 149 mesures susceptibles de faire reculer de 40% nos émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, dès son examen par le Parlement, le projet de loi est apparu comme décevant, faisant notamment l'impasse sur plusieurs des principales préconisations issues de cette concertation. Il en résulte un projet de loi peu ambitieux auquel les députés de gauche s'étaient unanimement opposés. Par ailleurs, dès février 2021, le Haut Conseil pour le climat alertait le gouvernement sur les problématiques d'application de la loi. Il soulignait notamment que de nombreuses mesures du projet de loi au potentiel de réduction d'émissions significatifs sont amoindries par un périmètre d'application limité, des délais allongés de mise en œuvre ou encore de nombreuses conditions associées à leur application. Aussi, le groupe des élus socialistes et apparentés regrette ce rendez-vous manqué entre nos institutions et la Convention citoyenne. C'est pourquoi nous souhaitons contrôler le niveau actuel d'application de cette loi. Ainsi, depuis le 1er janvier, un nouveau train de mesures entre en application de façon différée. Gel du loyer des passoires thermiques, obligation des annonceurs sur la neutralité carbone, mise en place progressive des aides feux, etc. En revanche, de nombreuses dispositions ne sont toujours pas applicables du fait de la non-publication des mesures réglementaires nécessaires. Dans son bilan annuel d'application des lois de mars 2022, le Sénat estimait alors que la loi dite climat et résilience affiche au 31 mars 2022 un des taux d'application les plus faibles, seulement 10%. Depuis, dans une circulaire du 27 décembre 2022, la Première ministre a demandé aux membres du gouvernement de veiller à une rapide et complète application des lois, consigne qui répond, selon ses propres mots, à une exigence de démocratie, de sécurité juridique et de responsabilité politique. Or, si l'on se réfère à l'échéancier d'application de la loi, force est de constater que le compte n'y est pas. Parmi les 162 décrets d'application initialement envisagés, on en dénombre seulement 81 publiés et 6 déjà appliqués par un autre texte réglementaire. Si ces premiers chiffres progressent, on constate néanmoins de très nombreux retards. À ce jour, ce sont 59 décrets qui n'ont pas été publiés dans les délais impartis, si l'on exclut ceux dont la mise en œuvre est différée ou satisfaite par ailleurs. Il y a pourtant urgence. À ce rythme, il sera impossible d'atteindre l'objectif de réduction de 40% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, sans parler de l'objectif européen de 55%. Je voudrais, avant de conclure, évoquer la rénovation thermique des logements, dimension importante de la loi qui illustre l'écart entre les objectifs fixés dans le droit et les mesures envisagées pour y parvenir. En effet, alors que le bâtiment représente 43% de la consommation d'énergie en France, la rénovation des 7,5 millions de passoires thermiques devait devenir une priorité nationale. Là encore, les mesures y afférentes n'ont pas produit les résultats escomptés. En effet, la loi impose des mesures aux propriétaires sans proposer de solution.
tout comme elle ne tient pas compte des difficultés des plus précaires. Ainsi, on assiste à des rénovations éparpillées et peu efficaces qui, certes, font du chiffre avec environ 700 000 opérations par an, plutôt que de favoriser des rénovations globales et performantes dont le faible nombre, 60 000 par an selon l'ANA, devrait être considérablement augmenté pour atteindre 750 000 par an. Sur ces questions, comme sur les autres aspects du texte qu'évoqueront mes collègues, il sera nécessaire de prendre de nouvelles mesures plus ambitieuses pour finalement obtenir les objectifs fixés dans la loi. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Vincent Thiébaut pour le groupe Horizon et Apparenté pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le groupe socialiste a souhaité que nous débattions aujourd'hui de l'application de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dites loi climat et résilience. Voilà une excellente idée. Une excellente idée, car vous en conviendrez, mes chers collègues, ce texte est essentiel, notamment pour modifier nos habitudes de consommation dans l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou encore développer davantage les mobilités douces. Voilà les objectifs de cette loi que nous avons votée en juillet 2021. Même si elle n'est pas fondamentale, elle est l'aboutissement d'un travail qui a été mené tout au long du mandat 2017-2022 et à travers un certain nombre de lois, telles que la loi d'orientation de mobilité, la loi anti-gaspillage économie circulaire, la loi de la fin d'exploitation des hydrocarbures pour rendre notre société plus résiliente. Ces objectifs sont bien sûr toujours les nôtres et nous devons aller plus loin pour rendre notre société plus résiliente, plus juste et plus verte. À ce titre, la loi climat et résiliente a été essentielle en permettant la mise en place de mesures concrètes en faveur de notre transition écologique et surtout en permettant l'innovation de la France sur le sujet. De nombreuses dispositions sont ainsi d'ores et déjà entrées en vigueur. D'autres importantes entreront en vigueur cette année. Concernant le dispositif d'affichage de l'impact environnemental prévu par la loi, je tiens à rappeler qu'en la matière, la France innove au niveau européen. Actuellement, 18 expérimentations en matière d'alimentation et 11 en matière d'habillement ont été menées. Le dispositif est en cours d'élaboration et nous serons vigilants sur son application, qui nous paraît essentiel. Concernant la rénovation énergétique, la loi prévoyait l'interdiction de la mise en location des logements dits passoires énergétiques à compter de 2025. La mesure est entrée en vigueur pour les logements les plus énergivores depuis ce 1er janvier et se poursuivra dans les prochaines années. En outre, parce qu'il nous semble primordial d'accompagner les Français et les Françaises dans la rénovation de leur logement, la loi prévoyait la mise en place d'un accompagnateur dédié. C'est chose faite à la création de France Rénov. Le dispositif MaPrimeRénov, en place depuis 2020, a également permis d'accompagner plus de 890 000 propriétaires occupants ou copropriétés dans la rénovation énergétique de leur logement. Ce dispositif se poursuit cette année avec l'objectif d'accompagner toujours davantage nos concitoyennes et nos concitoyens. En termes de mobilité, nous avons souhaité interdire les vols intérieurs lorsqu'un trajet alternatif existe en moins de 2h30. La publication de ce décret est imminente. En parallèle, le gouvernement s'est engagé à améliorer l'offre de services ferroviaires. Le projet de loi de finances 2023 consacre ainsi 3,8 milliards d'euros d'investissement dans les infrastructures de transport. Nos politiques doivent être cohérentes. Cela doit être une priorité. Les dispositions sur les zones à faible émission de mobilité, émissions de gaz à effet de serre, adoptées dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités et renforcées par la loi climat et résilience, se poursuivront en 2023 avec l'objectif de développer le nombre d'agglomérations concernées. Certes, il y a des difficultés dans la mise en œuvre, mais c'est quand certaines collectivités ont voulu faire plus vert que vert. Pour ce faire, les collectivités bénéficieront d'un accompagnement dans cette transition, puisque le Fonds vert prévoit notamment une enveloppe d'au moins 150 millions d'euros pour la mise en place des zones à faible émission mobilité. Enfin, la loi climat et résilience avait fait de la zéro artificialisation nette un objectif important. Il y a certes des difficultés en mise en œuvre, mais cela
a été largement saisi par le ministre actuel, Christophe Béchu, que je félicite, notamment pour sa prise en compte de ce sujet suite à la modification des décrets. À ce titre, un groupe de travail au Sénat et à l'Assemblée nationale sont actuellement à l'œuvre. Enfin, je rappelle que sa première loi, qui est prescriptive sur le sujet, traduisant donc une véritable avancée. Évidemment, mes chers collègues, tout n'a pas encore été fait, mais à titre d'exemple, concernant le titre 2 relatif à la consommation et le titre 4 relatif au transport terrestre et aérien, 62,5% des mesures réglementaires prévues ont été appliquées. Nous sommes donc en bonne voie, d'autant que l'application de la loi Climat et Résilience se poursuit cette année encore, aussi en tant que parlementaire et au nom du groupe Horizons et Apparentés, nous continuerons à veiller à la mise en œuvre de cette loi fondamentale. Permettez-moi, mes chers collègues, de saluer aussi la ministre Barbara Pompili, qui, lors du précédent mandat en tant que président de la Commission et en tant que ministre, avait porté cette loi, par contre. Et je salue aussi le ministre Christophe Béchu, dont je sais qu'il est attaché à la bonne mise en œuvre de cette loi. Des questions subsistent. Par contre, effectivement, beaucoup de choses ont été faites dans le précédent mandat. Aujourd'hui, il faut qu'on s'assure de la bonne convergence de l'ensemble de ces lois et des mesures qui ont été votées. Sur ce point-là, Monsieur le ministre, nous attendons des réponses. Merci à vous, chers collègues. Merci. La parole est à Madame Marie Pochon pour le groupe écologiste NUP et pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le ministre, mes chers collègues. Le changement climatique sera l'affaire de ce siècle et nous entrons de plus en plus rapidement dans l'ère de l'incertitude. Les projections de Météo France prévoient plus 3,9 degrés à la fin du siècle en France et plus 6 degrés si nous n'agissons pas. La lutte contre le changement climatique est désormais un enjeu de protection des droits de nos compatriotes. Droit à la santé, droit à la propriété, à la vie familiale, au travail, voire à la vie. C'est aussi un enjeu désormais de sécurité nationale. Cela implique pour nous, décideurs politiques, de mettre en œuvre les solutions immédiatement. Non pas celles qui nous chantent, ni celles que les industriels valident en amont, mais bien celles qui nous sont imposées. Elles appellent des politiques publiques puissantes pour se déployer, et bien plus qu'un questionnement simpliste d'un président de la République un soir de 31 décembre. Ces mesures supposent du volontarisme, de la cohérence, de la constance, un cap. La loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, entrée en vigueur le 22 août 2021, aurait dû, certes 20 ans trop tard, en être la base. L'occasion était parfaite. Des centaines de milliers de personnes dans les rues pour le climat. Les mouvements des Gilets jaunes, exigeant la justice dans la transition écologique. Les millions de doléances du grand débat national, dont on ne peut que regretter qu'elles aient été reléguées dans les tréfonds des archives départementales, tant leur propos était celui de la justice, de la dignité, de la nécessité d'un cap écologique. Et cet OVNI qui débarquait dans la Ve République, la Convention citoyenne pour le climat. 150 citoyens tirés au sort qui, après plus d'un an et demi de travaux, ont émis 149 propositions d'une très grande qualité. Ils prouvaient que des citoyens, même très éloignés d'un sujet, lorsqu'on leur donnait accès à l'information, à des experts qualifiés et du temps, pouvaient faire preuve de construction de compromis et de solutions à la hauteur des défis. Tout d'un coup, tout s'accélérait. Le président avait promis, hormis 3 jokers, que sa majorité reprendrait sans filtre ses propositions. Des milliers de petites mains, de jeunes, de militants, de juristes, d'experts se sont activés en tous sens pour appuyer le travail parlementaire, l'affiner, faire de ces 149 propositions une réalité concrète qui nous permettrait l'atteinte de nos objectifs et redonner ainsi espoir à toute une génération. Et pourtant, le gouvernement s'est vanté d'avoir repris 67% des propositions. Le journal Le Monde en comptabilise 12%. Les sans-filtres se sont bien additionnés sur un projet de loi sur lequel pesait déjà l'accusation d'objectifs trop faibles. C'est moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre qu'il faudrait bientôt réviser à moins 55% pour atteindre les objectifs européens. Le couperet sera posé par le Haut Conseil pour le climat qui affirmera « la loi ne va pas assez loin ». Elle ne permet pas de rattraper le retard que nous avons déjà pris et ne sera pas à la hauteur de nos objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Vous vous demandez peut-être parfois ce qui pousse tant de personnes de nos jours à se coller au goudron pour bloquer les routes, à jeter de la peinture sur des œuvres, à mettre de côté leur vie familiale, leur travail, leur santé, leur vie, leur liberté, pour clamer leur désespoir. Oui, c'est exactement cela, le sentiment d'impuissance. Où sont passées les propositions visant l'interdiction de la publicité pour les produits les plus polluants? Celles concernant le bilan carbone des entreprises? La mise en œuvre d'une obligation de rénovation énergétique globale et performante des logements? Celle qui a réduit la criminalisation de l'écocide à de simples délits, loin d'être en mesure de dissuader les pollueurs majeurs de la planète.
celle pour instaurer un chèque bien mangé. Alors que les 150 citoyens tirés au sort avaient proposé nombre de mesures dans le secteur agricole, deuxième secteur le plus émetteur en France, la loi climat n'a fait que retarder la mise en place de mesures clés pour favoriser l'agriculture biologique, pour réduire drastiquement l'utilisation des engrais, pour encourager la réduction de notre consommation de viande. Alors qu'il proposait de supprimer les vols intérieurs dès lors qu'il existe une alternative bas carbone satisfaisante en prix et en temps sur un trajet de moins de 4 heures, la loi était moins ambitieuse et proposait une alternative à 2h30. Heureusement, il ne s'agissait que du secteur le plus polluant. Sentiment d'impuissance. Au-delà des manquements au sein de cette loi, c'est l'application même de la loi qui fait défaut plus d'un an après sa promulgation. Le Sénat a révélé en juin 2022 que seules 14 mesures, moins de 10% de ce texte, ont été reprises sur les 142 adoptées au 31 mars 2022. Ce niveau exceptionnellement faible s'explique notamment par le retard pris par le gouvernement dans la publication des textes de la loi Climat et Résilience. Urgence climatique, vous disiez. Mes chers collègues, Bruno Latour le disait, le contraste entre le calme avec lequel nous continuons à vivre tranquillement et ce qui nous arrive est vertigineux. Il nous faut fixer le cap, garder le cap, entraîner tout le monde, les puissants en premier lieu par des obligations, les plus vulnérables en les accompagnant. Garder le cap, c'est la seule chose qu'il importe de faire aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le Président André Chassaigne pour le groupe Gauche démocrate et républicaine NUP et pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, nos collègues du groupe socialiste nous ont proposé de débattre ce soir de l'application de la loi de lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience à ses effets. Cette loi, on s'en souvient, se voulait la traduction des propositions formulées par la Convention citoyenne en juin 2020. À l'époque, tous les organismes et les associations concernées, du CESE aux membres de la Convention citoyenne, du Haut Conseil pour le climat au Conseil national de la transition écologique, du réseau Action Climat à la Fondation Abbé Pierre, avaient souligné les graves insuffisances de la loi au regard des engagements climatiques de la France. Ce texte avait laissé en effet à l'abandon des propositions structurantes, transformant notamment en mesures incitatives des mesures d'interdiction ou en renvoyant aux calendes des réformes pourtant urgentes en matière, par exemple, de rénovation de l'habitat. Parmi les mesures passées à la trappe figurait notamment la taxe sur les dividendes destinée à financer la transition écologique, la réduction de la TVA dans les transports publics et investissements dans le ferroviaire, l'accélération de la rénovation énergétique des logements, la réquisition facilitée des logements et bureaux vacants, la renégociation du CETA et des traités de libre-échange pour y inscrire les objectifs climatiques de l'accord de Paris. Nous avions alors souligné qu'à nos yeux, le principal écueil du texte résidait dans le fait qu'il se résumait à une longue série de mesures d'ajustement, parfois utiles, mais qui ne permettaient pas à notre pays d'opérer un véritable tournant écologique. Nonobstant ce constat, si nous nous penchons aujourd'hui sur l'application de cette loi, plusieurs sujets font débat et j'en ai retenu trois. Tout d'abord, l'extension de l'obligation d'instaurer des zones à faible émission, les fameuses ZFE, dans toutes les villes de plus de 150 000 habitants. Les ZFE ont fait l'objet d'un récent rapport d'information, lequel a pointé les graves insuffisances du dispositif issu de la loi d'orientation des mobilités et formulé des recommandations qui rejoignent les critiques que nous adressions au dispositif. La mise en œuvre des ZFE, et a fortiori, leur élargissement à l'ensemble des villes de plus de 150 000 habitants va exercer un effet d'éviction des populations périurbaines et rurales qui ne pourront se rendre demain dans un centre-ville si des mesures vigoureuses d'accompagnement social ne sont pas mises en œuvre, comme la gratuité et le développement de l'offre des transports publics urbains. L'acceptabilité d'un tel dispositif, profondément injuste socialement, passe aussi par l'augmentation et le meilleur ciblage du bonus écologique et de la prime à la conversion pour réduire le reste à charge pour l'achat par les ménages modestes d'un véhicule neuf. Force est malheureusement de constater que les moyens budgétaires ne suivent pas. Deuxième sujet. C'est un sujet de préoccupation.
C'est l'ambition du zéro artificialisation nette à l'horizon 2050. J'aurai aussi ensuite une question là-dessus. Assortie d'un jalon intermédiaire proposant de réduire de moitié la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers d'ici 10 ans par rapport aux 10 dernières années. Nous avons encore là un dispositif dont nous partageons l'objectif, mais qui méconnaît gravement les réalités du terrain et la diversité des dynamiques démographiques et économiques des territoires, notamment les territoires ruraux, ainsi que les réponses à apporter aux besoins de logement des ménages. Autre mesure, enfin, qui illustre les lacunes de la loi climat-résilience, la mesure d'interdiction de location de certaines passoires thermiques. La mesure ne vise à ce stade que 191 000 logements, surtout chauffés au fioul ou au gaz. Si nous avons soutenu cette mesure, nous ne pouvons que déplorer l'absence de mesures d'accompagnement des bailleurs les plus fragiles, j'en connais sur mon territoire, alors que nous sommes nombreux sur ces bancs à avoir insisté sur la nécessité de mettre en œuvre un dispositif de financement de la rénovation de l'habitat beaucoup plus ambitieux que ce qui existe actuellement. Pour ce qui nous concerne, nous restons convaincus que la loi climat-résilience pêche par son manque d'ambition. Un manque d'ambition qui se traduit notamment par l'absence de mesures d'accompagnement des collectivités et des particuliers, l'État n'assumant pas les responsabilités, notamment financières, qui devraient être les siennes dans la réussite de la transition écologique. Et puis pour terminer, je pourrais reprendre, certains d'entre vous reprendraient René Char qui disait « L'inaccompli bourdonne de l'essentiel ». Moi, je serais beaucoup plus sobre en disant simplement que l'essentiel reste à faire. Merci. La parole est à Monsieur Michel Castellani pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire et pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ce débat pour lequel nous remercions nos collègues socialistes, ce débat est important au regard de l'urgence climatique que nous traversons. En témoignent les incendies, inondations, gels ou sécheresses qui touchent régulièrement la France et malheureusement le reste du monde. La loi climat-résilience est un texte qui ambitionne d'inscrire la France dans une trajectoire de réduction de ses émissions carbone. J'avais, à l'époque, pointé l'insuffisance des mesures aptes à lutter de façon concrète contre le dérèglement climatique. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de dresser un bilan de sa mise en application, l'occasion d'évoquer les difficultés, non dans une logique de critique, mais pour améliorer les choses. D'abord, sur l'artificialisation des sols, le dispositif zéro artificialisation nette a tiré dès le départ des critiques et son application pose aujourd'hui problème. Nous y retrouvons des difficultés de planification pour les collectivités territoriales, d'articulation du dispositif avec les politiques de revitalisation économique et surtout une tendance à la recentralisation en matière d'aménagement qui, de fait, restreint considérablement les marges de manœuvre des élus locaux. Le dispositif de zéro artificialisation nette est une mesure qui tient peu compte de la réalité des territoires ruraux où l'artificialisation des sols est somme toute limitée. Dans ces territoires, imposer une division progressive par deux de l'artificialisation des sols revient à limiter la capacité de construction. Le danger est de plonger nos petites villes et villages dans de particulières difficultés d'aménagement. Le gouvernement s'est dit conscient de l'imperfection du dispositif adopté et de la nécessité de le corriger. Nous attendons que ces annonces gouvernementales se concrétisent. Je souhaite également évoquer la question de la rénovation énergétique des bâtiments. La lutte contre les passoires thermiques initiée par ce texte est une grande victoire puisque nous nous attaquons ici à la racine du mal logement. Ce début d'année marque d'une part l'interdiction de la mise en location des passoires thermiques classées G, mais aussi le plafonnement des loyers des logements amenés à être rénovés sous peine d'interdiction future de location. Dans l'absolu, il faut s'en féliciter, même s'il convient de noter un flou juridique. En effet, l'interdiction faite aux propriétaires d'augmenter les loyers des passoires thermiques semble n'être effectif que lors d'un renouvellement de bail ou lors d'un changement de locataire. En conséquence, l'ensemble des actuels locataires continuent à voir leur loyer progresser parallèlement à la revalorisation de l'indice de référence des loyers. Plus globalement, l'application de cette loi nous fait entrer dans une période d'incertitude concernant l'état du marché locatif. Face au coût de la rénovation, il existe en effet un risque de voir les propriétaires retirer leurs biens du marché et ainsi aggraver les tensions.
Certes, des dispositifs d'aide existent. Cependant, les conditions d'éligibilité, les lourdeurs administratives et la nécessité d'avancer un certain nombre de frais découragent bon nombre de propriétaires à s'engager dans des travaux de rénovation. D'autant que le reste à charge, malgré les aides, est encore trop souvent insurmontable. Enfin, je veux attirer l'attention sur le risque d'aboutir à une France à deux vitesses. Si les coûts de rénovation peuvent être amortis par des niveaux de loyers suffisants dans les grandes villes, ce n'est pas le cas dans le reste du territoire. Sans attention particulière à l'égard des petites villes et des campagnes, nous risquons de n'y récolter qu'une démultiplication de biens vacants et de migrations subies. Vous le comprenez, si nous pensons que ce texte est une avancée majeure et indispensable, nous souhaitons que son application tienne davantage compte de la diversité des territoires, des élus locaux et des difficultés que peuvent rencontrer nos concitoyens. Car nous avons besoin d'une transition écologique réussie. Le spectacle du monde nous tient en alerte. Partout poussent les populations qui réduisent toujours plus l'espace naturel et dont les besoins légitimes font que nous prélevons toujours plus sur le capital non renouvelable. Partout. Je veux parler de la Corse, qui n'est pas le pire exemple. Et pourtant, agressée par les accidents climatiques, par l'incivisme, par le béton généré par une croissance démographique annuelle de 4000 habitants et une frénésie de spéculation, milieu fragile, milieu en souffrance, à l'image finalement de ce qui, peu ou prou, se passe partout. Voilà, sans mesures fortes, certes difficiles à tenir, mais indispensables, les problèmes de plus en plus graves se multiplieront malheureusement. Merci. Merci. La parole est à Madame Barbara Pompili pour le groupe Renaissance et pour 5 minutes. Madame la Présidente, mes chers collègues, le think tank Terra Nova a publié en fin d'année dernière une note intitulée « Climat, trois grenades dégoupillées » à propos des zones à faible émission, du zéro artificialisation net et de l'interdiction de l'allocation des passoires thermiques. Cette note résume assez bien l'état d'esprit autour de la loi Climat et Résilience. D'un côté, il y a ceux qui n'ont eu de cesse, depuis le début, de dénoncer ses insuffisances, son inutilité, ses renoncements. Et de l'autre, il y a ceux qui, maintenant qu'il s'agit de la mettre en œuvre, freinent des cas de fer. L'un a certainement entraîné l'autre d'ailleurs. La critique et la dévalorisation de la loi Climat et Résilience ont sans doute joué un rôle dans le fait que ces trois politiques structurantes ont été jusqu'ici insuffisamment préparées. Évidemment, il serait très réducteur de réduire la loi Climat et Résilience à ses seules trois politiques. Ça a été dit auparavant. On se souvient du travail de Titan qui a présidé à sa préparation, son élaboration, sa discussion au Parlement, la crise des Gilets jaunes, le grand débat, la Convention citoyenne pour le climat, initiative inédite et passionnante, mais dont le mandat, dont je rappelle qu'il était de définir une série de mesures permettant d'atteindre une baisse d'au moins 40% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990 dans un esprit de justice sociale, était certainement trop large. Ça fait partie des leçons à tirer de cette première expérience. On leur a demandé de changer le monde, ça ne pouvait pas se faire avec des demi-mesures. La loi qui découle de ces propositions n'en reprend qu'une partie, car beaucoup n'étaient pas d'ordre législatif, et amoindrit aussi la portée de certaines pour des raisons qui mériteraient à elles seules un débat entier à l'Assemblée nationale. Je ne m'appesantirai pas là-dessus aujourd'hui. Il n'empêche que la loi, enrichie du débat parlementaire, est très fournie. 305 articles, 8 titres, des sujets très nombreux qui touchent tous les domaines. Notre Assemblée prévoit des évaluations, je vous le rappelle, sur l'application des lois, une à 6 mois, qui aurait dû déjà être commencée et que j'appelle de mes voeux, et une à 3 ans. Sur un texte aussi dense, ces évaluations seront extrêmement utiles pour mettre en lumière ce qui avance bien et ce qui bloque, et pour lever les éventuels blocages. Un débat comme celui qui nous réunit ce soir ne peut évidemment pas balayer tous ces sujets. C'est pourquoi je vais me focaliser sur les trois fameuses grenades dégoupillées identifiées par Terra Nova. Il est illusoire de penser qu'on fera la transition écologique sans rien changer, sans que ça se voie dans la transformation de nos paysages, dont on parle beaucoup, mais aussi dans les habitudes qui vont évoluer. D'un pur point de vue théorique, tout le monde est d'accord, et personne, ou quasiment plus personne, ne met en cause l'urgence à agir.
Mais malgré cela, nombreux sont ceux qui s'accrochent au business as usual, qui cherchent par tous les moyens à ne rien changer à notre mode de vie en fustigeant ceux qui voudraient imposer une écologie punitive, comme si le mode de vie actuel était une forme d'aboutissement, un idéal qui ne pourrait pas être interrogé, comme si notre propre culture était menacée. Alors forcément, une loi comme la loi climat-résilience entraîne des frustrations, entraîne des inquiétudes, fait se mobiliser les lobbies pour atténuer la portée du texte, rallonger les délais, etc. Et génère aussi un sentiment d'inégalité pour ceux qui ont l'impression de contribuer plus que les autres ou d'être laissés de côté des effets positifs de la transition en cours. On doit tirer des leçons de ces constats si on veut avancer et si on veut sortir des postures. D'abord, il faut redonner du crédit à la parole politique, c'est-à-dire se tenir à ce qui a été décidé et ne pas reculer au moindre obstacle. Beaucoup d'acteurs concernés par les réformes ne croient pas à la mise en œuvre d'engagements de moyen et long terme. Concernant les mesures climatiques, c'est flagrant. Il y a toujours plus urgent. Et donc, sans une direction claire, constante et cohérente, il va être difficile d'aboutir. La deuxième leçon à retenir, c'est que si on veut avancer, il faut sans arrêt associer les parties prenantes, ceux qui sont sur le terrain, pour le comment. Comment on fait au bon niveau, il faut écouter pour trouver les bonnes solutions de mise en œuvre. Aussi, d'ailleurs, concerter les bonnes personnes sur les ZFE, par exemple, il faut concerter ceux qui sont en dehors. Je pense aussi que l'État doit être présent pour fournir les outils nécessaires. Je regrette beaucoup le temps qu'on met à mettre en place les radars automatiques. Enfin, la dernière leçon à tirer, la plus importante, c'est qu'on n'arrivera pas si on n'est pas tous convaincus de pourquoi on le fait. Quand j'entends parler de zones à forte exclusion, je me dis que les gens ne comprennent pas que les ZFE, ça va permettre aux gens de respirer mieux, que les passoires thermiques vont permettre de réduire la précarité énergétique, que l'artificialisation va nous permettre de nous sortir des problèmes d'aléas climatiques. Toutes ces politiques doivent être mises en œuvre, chaque retard aggravera le problème. Et quand je dis qu'il faut changer de point de vue, c'est parce que je pense que le problème fondamental est là. La lutte contre les dérèglements climatiques et les mesures qui y sont associées sont toujours vues comme des mesures défensives pour faire face à une menace plutôt que comme l'opportunité à une période charnière de notre histoire de construire les bases d'une autre société en ne laissant personne au bout du chemin. C'est cela auquel je vous engage aujourd'hui et c'est cela qui nous permettra d'avancer tous ensemble. Je vous remercie. La parole est à Madame Alexandra Masson pour le groupe Rassemblement National et pour 5 minutes. Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, un petit rappel pour commencer. Cette loi Climat et Résilience, définitivement adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat le 20 juillet 2021, avait vu 14 de ses articles censurés comme cavaliers législatifs par le Conseil constitutionnel. Ce texte, qui compte 300 articles, est au final un choix assumé d'application d'une écologie punitive. Il complète le mouvement engagé par la loi de décembre 2019 qui avait créé les tristement fameuses ZFE, zones à faible émission, pour les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Ainsi, le 1er janvier 2025, 40% des véhicules du parc automobile actuel ne pourront plus circuler dans plus d'une quarantaine d'agglomérations. Tous les citoyens qui résident dans les territoires ruraux seront lourdement impactés lorsqu'il s'agira d'accéder aux métropoles dans lesquelles de plus en plus de services publics, d'entreprises ou encore d'activités de loisirs sont regroupés. Pire encore, le principe des vignettes critères, censé officiellement prendre en compte le niveau d'émissions de polluants, repose en réalité sur la seule ancienneté de la voiture. Ainsi, pour exemple, un véhicule SUV de 2010 sera classé critère 2, alors qu'une petite cylindrée de 2006 sera classée critère 3. C'est donc nos citoyens les plus modestes qui sont directement ciblés par cette mesure. En même temps, pour reprendre l'adage macroniste, le dispositif du « en même temps » qui devait se renforcer au 1er janvier 2023 est déjà contesté et contourné. Les agglomérations de Toulouse, de Lyon et de Strasbourg ont déjà mis en place de multiples dérogations. À Nice, dans mon département, Christian Estrosi, pourtant toujours extrêmement prompt à appliquer les directives d'Emmanuel Macron, a indiqué que sa police municipale n'effectuerait aucun contrôle.
En réalité, le gouvernement honteux et confus réalise, mais un peu tard, tel le corbeau de Jean de La Fontaine, que ces ZFE risquent de se transformer en zones à forte exclusion pour les Français qui subissent déjà les effets de l'inflation et rencontrent également de grandes difficultés en matière de pouvoir d'achat. Cette loi climat et résilience stigmatise également injustement les propriétaires des logements les plus anciens, dont certains sont d'ores et déjà interdits à la location, c'est-à-dire ceux dépassant les 450 kW au mètre carré, soit une partie des logements classés G au diagnostic de performance énergétique. Cette mesure d'interdiction va s'étendre à tous les logements de cette catégorie d'ici le 1er janvier 2025, puis ceux classés F au 1er janvier 2028. Alors oui, il y a MaPrimeRénov', pour aider les petits propriétaires à réaliser les travaux obligatoires pour rénover leur logement. Mais dans la réalité, ce dispositif a déjà mis fin aux primes pour les chaudières à condensation en 2021 et la fin des primes pour les pompes à chaleur et les chaudières à granulés annoncées en 2025. Résultat, dans les mois et années à venir, un nombre toujours plus important de logements ne seront plus mis en location, empêchant un plus grand nombre de personnes en situation de précarité de se loger. Il n'est pas question de laisser la transition écologique aux idéologues. Au Rassemblement national, nous voulons sortir d'une vision punitive et idéologique et promouvoir une écologie humaine qui met l'économie au service du bien-vivre et de la santé, mais aussi au service de la préservation de la nature, de la biodiversité et de nos paysages. Au Rassemblement national, nous souhaitons que la France continue d'investir dans le nucléaire qui offre à nos concitoyens et à notre économie une électricité décarbonée, abondante, bon marché et toujours disponible. Au Rassemblement national, nous sommes opposés à l'éolien, énergie intermittente que le gouvernement veut imposer de force sur des centaines de milliers d'hectares de terres agricoles. Au Rassemblement national, nous défendons l'hydroélectricité, la biomasse issue des déchets forestiers ou alimentaires pour alimenter les réseaux de chaleur et la géothermie à faible profondeur. Nous soutenons la recherche pour trouver de nouvelles solutions innovantes. Au Rassemblement national, nous souhaitons que nos textes constitutionnels continuent le principe de sécurité environnementale et de protection de notre patrimoine matériel et immatériel. Pour conclure, nous voulons accompagner, préserver, protéger et construire. Accompagner les Français, préserver nos territoires, protéger la biodiversité et construire une politique environnementale non punitive. Merci, mes chers collègues. Merci. La parole est à monsieur Sylvain Carrière pour le groupe La France Insoumise NUP et pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Comme l'a introduit Jean-Luc Mélenchon en 2016, nous avons besoin de planification écologique, c'est-à-dire d'un agenda, d'objectifs et de concertation. Expression reprise depuis dans vos rangs, mais dénuée de sens. Le calendrier est sans cesse repoussé, les objectifs revus à la baisse pour cause de complaisance avec les industriels et syndicats éco-criminels, la concertation, n'en parlons même pas, on a eu droit à 10.49.3 en 3 mois, malgré toutes les avancées écologiques votées au cours du dernier PLF. Concernant la loi climat et résilience, un affichage environnemental sera rendu obligatoire d'ici 3 ans. C'est un pas majeur de la planification écologique, car il vise à plus de transparence sur l'impact écologique, notamment du textile et de l'alimentaire pour le consommateur. L'ADEME a choisi d'utiliser une analyse par cycle de vie, avec son outil Agribalise, c'est-à-dire prendre en compte les critères prônés par la Commission européenne comme l'impact carbone ou la capacité de régénération des sols. Or, cette méthode plébiscite les œufs de poule élevés en cage par rapport aux œufs de poule élevés en agriculture biologique. Une aberration. De manière générale, parmi les produits français, c'est la majorité des produits bio qui est moins bien notée que les produits issus de l'agriculture conventionnelle. Dès lors, l'intégration et la pondération des pesticides dans le calcul est problématique.
les betteraves aux néonicotinoïdes tueurs d'abeilles ont un meilleur score que les betteraves produites en agriculture bio. L'impact carbone des conventionnels étant moins important, compte tenu d'un rendement plus fort. Comment pouvez-vous parler d'affichage environnemental si on ne prend même pas en compte l'atteinte sur le vivant et sur la santé humaine par extension ? Ce problème repose sur l'absence de transparence des industriels producteurs de pesticides qui décident eux-mêmes de la communication de la composition de leurs produits. C'est dénoncé par de nombreuses ONG et collectifs, comme Secret Toxique par exemple. Après des analyses scientifiques poussées sur un panel de pesticides, ils se sont rendus compte que la toxicité sur l'homme et la nature était 1000 à 10 000 fois supérieure à ce qui est annoncé. Or, ce sont les chiffres communiqués par ces grands groupes qui sont retenus par Agribalise. L'État a déjà été condamné à 2 reprises pour inaction climatique. Avec la non-prise en compte des alertes des ONG sur la dangerosité du déploiement d'une méthode en analyse par cycle de vie, le gouvernement vise-t-il une condamnation pour maladaptation cette fois-ci ? Nous demandons une transparence totale sur la méthode d'affichage environnemental retenue et que l'évaluation des différentes méthodes soit menée à terme. Il faut que le calendrier soit respecté et que tous les acteurs soient intégrés à la discussion et à la constitution de la méthodologie. Nous refusons que le principal lobby agricole français s'approprie une nouvelle fois de la santé de nos concitoyens et de la biodiversité de nos territoires. Concernant le vrac, d'ici 2030, tous les commerces de plus de 400 m² devront allouer au moins 20% de leur espace au déploiement de la vente en vrac. Le but est de réduire le suremballage et donc la pollution plastique. Les associations de consommateurs plaident pour une communication nationale au mois de mars, mois du vrac, pour toutes les années à venir. Nous appuyons leur demande afin de profiter de ces périodes pour inciter les entreprises à expérimenter ces 20% d'espace de vente. Cela permettrait d'établir des évaluations intermédiaires dans le but d'atteindre cet objectif à la date prévue. C'est ça, la vraie planification. Autre axe important, les ZFE. Nous voulons le déploiement des modes de transport alternatifs avant de passer à la contravention pour nos concitoyens. Vous craignez le retour des gilets jaunes, mais vous ne faites rien pour l'éviter. Les contraventions vont pleuvoir pour ceux qui peuvent acheter une nouvelle voiture et n'ont pas accès à l'offre de transport en commun. Le youtubeur président Emmanuel Macron annonce à la volée le déploiement d'ici 2030 de RER dans 10 métropoles. Mais où sont les 3 milliards votés à la majorité pour l'investissement dans les infrastructures ferroviaires ? Effacés à coup de 49-3 par votre spécialiste, Madame Elisabeth Borne, est-ce cela votre définition de la concertation ? Où est donc la notion de planification ? C'est comme construire un toit avant les murs, ou repousser l'âge de départ à la retraite avant de régler la question de la pauvreté et du chômage. On n'est plus à une incohérence près. Comme toujours avec vous, on se trompe avec conviction avant de faire payer les pots cassés aux plus précaires. Nous demandons de l'homogénéisation entre les collectivités, de l'accompagnement pour les infrastructures et d'y entre un peu d'anticipation de votre part. Merci. Je pense que... Je ne sais pas si M. Fabien Lainé... Non. Alors, Monsieur Dominique Potier, pour le groupe socialiste et apparenté, pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, il y aurait tant à dire. Alors j'ai choisi un coup de gueule social, une alerte écologique, un clin d'œil sympathique et puis peut-être un horizon, puisque nous avons besoin d'horizon en ce début d'année. L'alerte sociale, elle vient de l'échec de ce que nous avions voté dans la loi climat en matière d'efforts de qualité, 50% de produits d'origine locale et qualitative et puis 20% de bio. Nous sommes loin du compte et la crise n'explique pas tout. Il y a eu un manque de volonté, un manque de concertation, de contractualisation. C'est un échec. Mais je profite de cette situation dramatique dans nos cantines pour rappeler l'effet de la crise de l'Ukraine et de l'inflation aujourd'hui sur le coût de la cantine.
Tous les rapports nous disent que l'augmentation des matières premières, de l'énergie et des coûts salariaux pourrait faire passer le coût de la cantine de 3 à 4 euros. Et nous avons alerté Madame la Première Ministre avec mon collègue Guillaume Garot. Ça a donné lieu à une réunion interministérielle il y a quelques jours où nous n'étions pas tout à fait d'accord sur le diagnostic. Pour nous, il est tragique. En passant de 3 à 4 euros, nous avons un certain nombre d'enfants qui vont être exclus de la cantine, qui ne pourront plus la payer. Ou alors nous aurons des collectivités en difficulté. Et de toute manière, nous laisserons des leaders des services agroalimentaires et de la distribution dans les cantines, dans la RHD, sur le carreau pour des leaders français. Donc on a une situation absolument dramatique et nous pensons qu'une conférence des solutions doit permettre, en travaillant sur le grammage, la contractualisation, en réunissant tous les acteurs de la filière et de la lutte contre le gaspillage, bien sûr, de trouver des solutions à la fois sociales et écologiques qui ne nous dévient pas de la trajectoire tracée dans la loi climat et dans les lois Egalim et qui nous permettent de répondre à l'urgence sociale d'avoir au moins un repas de qualité pour tous les enfants de notre pays. Sur le plan écologique, j'ai choisi un sujet qui me fait penser, chère Barbara Pompili, à l'affaire de la jaunisse de la betterave et des néonicotinoïdes. Nous votons en 2016 l'interdiction de ces néonicotinoïdes et 4 ans après, nous les rétablissons. J'ai eu l'impertinence de demander à Julien de Normandie à cette tribune combien de réunions éco-phyto, combien de centres de recherche, combien d'actions avaient été mobilisées pour trouver ces solutions dont on nous promettait en 2020 qu'il faudrait 3 ans pour sortir de la dépendance aux néonicotinoïdes. Je constate, Madame Pompili, que 1 an et demi après avoir adopté un plan qui prévoit 13 et 15% respectivement de baisse des engrais ammonitrate, donc pour, nous le savons, pour le NH3 et le protoxyde d'azote, respectivement 13 et 15% entre 2005 et 2030, il faut un projet et un plan d'action. Le projet, le décret a été produit 18 mois après le plan d'action. Rien n'a été sorti comme décret aujourd'hui. Nous allons tout droit avec les engrais azotés amplifiés par leur dépendance au gaz fossile, vous le savez, dans leurs coûts de production, dans un phénomène et de pollution d'émissions de gaz et de dépendance aux fossiles qui va nous mettre dans un mur équivalent aux néonicotinoïdes. Nous sommes dans une incurie publique manifeste, engrais azotés comme néonicotinoïdes, même combat. Un clin d'œil pour dire qu'il ne faut jamais désespérer de la politique. Dans la loi climat, nous avons bataillé avec la majorité, côte à côte parfois, et nous avons obtenu que des clauses environnementales. Nous avons échoué sur le social, un jour nous gagnerons, un jour la gauche permettra d'inclure des clauses sociales dans les marchés publics. Les marchés publics, c'est 80 milliards d'achats publics, monsieur le ministre, et 120 milliards, c'est l'amendement le plus lourd que les socialistes n'avaient jamais voté depuis si longtemps, 120 milliards de concessions et de DSP, désormais, vont être soumis aux achats publics dans différentes filières. Dans les 5 ans, tout a été reporté à 2026. 5 ans après, nous pensions que tous les 6 mois, il y aurait une filière, l'électroménager, le textile, etc., qui serait mis en œuvre. Que nenni, tout a été reporté à la fin. Petite victoire dans la loi énergie que nous avons votée hier. Il y a le rapprochement du déploiement des ENR, équipements et services, avec des clauses environnementales qui nous rendent moins dépendants de l'Asie et qui renforcent des filières françaises et européennes. Et enfin, nous avions demandé, et en fait, nous souffrons énormément, monsieur le ministre, chers collègues, d'une absence de métrique de la transition. Et nous avions demandé qu'une autorité indépendante, ça a été beaucoup de débats, permette de superviser la mise en œuvre de la loi climat. Elle aurait pu nous éclairer, sur l'orientation de la loi énergie. Elle aurait pu donner corps à cette planification écologique. Il y a un excellent rapport de France Stratégie qui s'appelle Soutenabilité. Il y a un excellent article dans Terra Nova, pour une fois, de Benoît Cognier, qui explique tout ce que pourrait être un bon procédure de planification écologique. Il est urgent de se doter d'une autorité compétente, d'une véritable instrument de planification, sinon nous allons bricoler. Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, je me réjouis de cette assistance nombreuse qui montre à quel point ce sujet est d'importance à tout point de vue. Je voudrais, sur tous ces bancs, et je vous demande de...
je veux bien respecter un moment de silence et de sobriété dans la prise de parole, mais je me propose de commencer à essayer de répondre aux multiples sujets qui ont été évoqués, dont j'ai découvert, y compris dans les interventions, que vous aviez déjà choisi pour une partie d'entre vous, de les angler autour de certaines questions. Je vais d'abord essayer de me concentrer sur le caractère global de la mise en œuvre de cette loi climat et résilience, même si je ne doute pas que dans les sujets que vous avez évoqués, certains pourront revenir dans le cadre des questions, et qu'à la lumière d'une partie des interventions, c'est finalement moins sur la mise en œuvre de cette loi climat et résilience que certains d'entre vous avaient envie d'interroger le gouvernement, mais peut-être sur les étapes à venir de la planification écologique et ce qui pourrait arriver dans les prochaines semaines. Je ne vais évidemment pas refaire l'historique, vous l'avez fait, peut-être juste reprendre au moment où, à l'issue de ces travaux de la Convention citoyenne, le processus législatif a commencé et rappeler que dans cet hémicycle, dans cette Assemblée nationale, il y a eu 210 heures de débats parlementaires et une commission mixte paritaire qui reste à ce jour la plus longue qui se soit jamais réunie, puisque c'est plus de 9 heures de commission mixte paritaire qui ont été nécessaires pour, à la fin, trouver un accord sur cette loi portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets. 69 articles quand le texte est arrivé, 305 quand il est sorti du processus législatif, ce qui sont des chiffres importants au moment où on parle des décrets d'application et du pourcentage de ce qui a été mis en œuvre. Mais précisément parce que les articles qui sont votés sont une chose et leur mise en œuvre en sont une autre, ce qui compte, c'est bien de se pencher sur les mesures d'application de ce texte. À la minute où je vous parle, c'est-à-dire au 11 janvier 2023, 69% des textes d'application ont désormais été pris. Vous avez pu, au travers des chiffres que vous avez donnés pour le début de l'année 2022, mesurer cette accélération, puisque 88 textes d'application sur les 127 requis par la loi sont désormais entrés en vigueur. D'abord, il faut le rappeler, un certain nombre étaient d'application dès la promulgation de la loi. Je ne vais pas là aussi les lister, mais que ce soit la possibilité pour le juge d'ordonner des mesures de restauration du milieu naturel, l'extension du référé pénal, le renforcement des pouvoirs de police du maire en matière de publicité, la possibilité d'encadrer les écrans publicitaires dans les vitrines, les amendes en cas de publicité faisant la promotion de la mise au rebut d'un matériel sans utiliser à sa réutilisation, la qualification du greenwashing comme pratique commerciale abusive, la possibilité pour le maire d'adresser ses observations sur l'implantation d'éoliennes, la formation à l'éco-conduite pour les conducteurs de transport routier, les mesures de réglementation pour faire face à l'hyperfréquentation des sites touristiques rendues possibles pour les maires et les préfets alors que rien n'existait auparavant, le menu végétarien hebdomadaire obligatoire dans les cantines scolaires, l'expérimentation pour 3 ans des voies réservées, etc. Dans l'année qui vient de se terminer, un certain nombre de ces mesures sont également entrées en vigueur. Pas toutes, dans la joie, l'allégresse et la satisfaction de l'ensemble des particuliers, ce qui me permet de répondre et de saluer Barbara Pompili pour dire que même quand on s'efforce de conduire une transition qui soit juste, qui soit ambitieuse, qui essaye de se préoccuper des parties prenantes et des citoyens, changer nos habitudes ne peut pas se faire sans rien changer à la fois de la manière dont on vit, de la manière dont on consomme, de la manière dont on se nourrit, de la manière dont on voyage ou tout simplement dont on se déplace. La fin du chauffage sur les terrasses, la mise en œuvre des premiers affichages environnementaux via la classe CO2 dans les publicités de véhicules motorisés, l'interdiction des vols d'avions publicitaires, le gel du loyer des logements F et G considérés comme des passoires thermiques, je ne vous donne pas les dates des décrets, et je vous rappelle que toute zone commerciale de plus de 10 000 m² de surface de vente qui artificialise les parcelles est désormais interdite depuis octobre 2022. L'année 2023 commence par un certain nombre de mesures qui sont entrées en vigueur ce 1er janvier. D'abord, l'interdiction pour les annonceurs publicitaires d'affirmer qu'un produit ou un service est neutre en carbone sans présenter un bilan de ses émissions de gaz à effet de serre, effectif depuis le 1er janvier. La mise en place de l'option végétarienne quotidienne dans les cantines gérées par l'État, effectif depuis le 1er janvier 2023. L'extension du périmètre des bilans des émissions de gaz à effet de serre pour y inclure les émissions indirectes, effectives depuis le 1er janvier 2023. L'expérimentation des prêts à taux zéro dans les ZFE pour les ménages les plus modestes, 1er janvier. L'obligation pour les plateformes de livraison d'une part croissante de véhicules à 2 ou 3 roues motorisées à très faible émission. La compensation carbone par les compagnies de 70% des émissions des vols intérieurs.
la fermeture des lignes aériennes lorsqu'il existe une alternative en train de moins de 2h30. Le projet de décret est en consultation publique, même si, d'ores et déjà, les liaisons correspondantes n'existent plus, mais nous attendions la décision officielle de l'Union européenne. Alors, dans ce débat, j'ai entendu dans ceux qui se sont présentés à cette tribune plutôt des gens qui ont insisté sur ce qui n'avait pas été fait, voire sur ce qui avait été fait, mais qui posait problème et qu'il faudrait sans doute ou ne pas faire ou faire de manière différente. Un certain nombre d'affirmations ont été proférées. Je veux dire en particulier à Sylvien Carrière que ce qu'il évoque, ce sont des expérimentations sur ce que pourraient être les Nutri-Score et qu'en aucune manière, à l'arrivée, nous ne prendrons une mesure qui consisterait à ne pas tenir compte de l'ensemble des aspects, y compris santé, je pense évidemment aux produits alimentaires, pour arriver à des scores qui soient lisibles pour nos concitoyens. On ne peut pas dissocier d'un côté le dérèglement climatique, de l'autre la santé des habitants, et j'ajoute d'un troisième les questions de biodiversité qui ne peuvent pas être l'angle mort d'une vision sur la réduction des gaz à effet de serre. Beaucoup d'entre vous se sont succédés en tenant des propos que j'aurais pu reprendre, à la fois quand j'ai entendu Mme Pochon expliquer qu'il fallait un cap et s'y tenir. C'est vrai, ce cap il a fait l'objet de quelques changements de bord dans le courant de cette année 2022 pour éviter des récifs sociaux. Je pense en particulier à la très large majorité qui s'est retrouvée dans ces murs pour aller soutenir les énergies fossiles dans le courant du mois de juillet et du mois d'août, compte tenu du contexte social, avec des aides pour le fioul ou pour les pompes à essence. Et j'en ai entendu d'autres ici ce soir rappeler que pour des motifs sociaux, il fallait parfois lever le pied pour des objectifs environnementaux. Je veux dire aussi, par rapport à ce que j'ai pu entendre à André Chassaigne en particulier, qu'il expliquait qu'il fallait une ambition. Je veux bien qu'on explique qu'on est systématiquement d'accord avec le fond des mesures, mais quand ensuite on explique en entrant dans le détail qu'il y a un problème sur le ZAN, qu'il y a un problème sur la ZFE, qu'il y a un problème sur les passoires thermiques, il faut précisément qu'on arrive à la fois à concilier les deux, parce qu'on ne pourra pas se contenter, au motif qu'il existe des problèmes, de toujours justifier le fait qu'on diffère la mise en place de ces différents éléments. Plusieurs d'entre vous se sont exprimés sur le ZAN, j'aurai certainement l'occasion de répondre dans quelques minutes. Je veux juste dire qu'on prête aux ZFE et aux ZAN des effets qui ne correspondent ni à la réalité de ce qui se passe à l'heure actuelle, ni à la réalité des trajectoires dans lesquelles ils nous emmènent. Il est faux d'expliquer que 40% des véhicules de ce pays ne pourront plus circuler dans les métropoles à compter du 1er janvier 2025, comme il est faux de penser que le zéro artificialisation nette viendrait d'un seul coup briser toute dynamique territoriale et toute problématique pour les logements, alors que nous avons aujourd'hui des secteurs qui gagnent de la population et dans lesquels il y a parfois des refus d'aller signer des permis de construire, et d'autres qui en perdent et qui réclament des droits à construire sans nécessairement qu'il y ait de demande de la part de population. On aura l'occasion là aussi d'entrer dans le détail. Je veux simplement vous dire, en terminant, que cette loi elle est une étape cruciale, fondamentale, à la fois par la prise de conscience qu'elle a permise, par les textes sur lesquels elle a débouché, et plus largement par le cap qu'elle a fixé. Elle ne sera pas, à elle seule, suffisante pour tenir les objectifs rehaussés de baisse de nos émissions de gaz à effet de serre. Et cette année 2023, précisément, elle nous permettra, sur les questions de planification écologique dans les prochaines semaines, de prendre des engagements qui iront au-delà d'une partie de ces ambitions. À la fin de ce mois, nous aurons le rapport du comité d'orientation des infrastructures qui servira de base à une ambition transport en commun et ferroviaire et à des sommes en termes d'engagement supérieures à celles que vous avez évoquées un peu plus tôt. Nous avons à nous pencher sur la question de la rénovation énergétique, aussi bien avec les éléments d'amélioration de MaPrimeRénov' qu'avec la part qui concerne les bâtiments publics et qui sera examinée à l'occasion de la PPL présentée par Thomas Cazenave la semaine prochaine. Et puis enfin, plus largement, des quantités d'autres sujets, y compris sur certains angles morts de cette loi climat et résilience, qui nécessiteront d'être présentés, d'être traités, et qui permettront ou de compléter ces dispositifs, ou de les rendre parfois plus ambitieux. Mais ça, ce sera certainement l'occasion de d'autres débats, dans un premier temps et dans les minutes qui viennent, après avoir remercié tous les orateurs et le groupe socialiste qui me permet ce soir de pouvoir répondre sur une partie de ces sujets. Je voudrais remercier celles et ceux qui vont faire vivre ce soir le débat parlementaire et honorer à la fois les citoyens qui sont réunis dans le cadre de cette convention citoyenne et ceux qui, ici, dans cet hémicycle, ont fait cette œuvre législative utile qui nous permet ce soir de pouvoir regarder devant nous comment améliorer encore cette transition écologique si indispensable et si urgente. Merci, Monsieur le Ministre. Nous en venons aux questions. Je vous rappelle que la durée des questions ainsi que celle des réponses est limitée à 2 minutes sans droit de réplique.
La première question est posée par M. Gérard Le Seul pour le groupe socialiste et apparenté. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre et chers collègues, la loi climat résilience a été largement décriée par les membres de la Convention citoyenne, jugeant qu'elle était insuffisante, qu'elle ne donnait pas un cap net. Le Haut Conseil pour le climat critiquait quant à lui le manque d'ambition en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est surtout que des propositions importantes, fondamentales, n'ont pas été reprises. Je pense notamment à l'écocide ou à la proposition de créer un défenseur de l'environnement sur lequel j'ai récemment travaillé et j'ai déposé une proposition de loi que j'espère nous aurons l'occasion de discuter très prochainement. D'où ma première question. Que comptez-vous faire des propositions que le président de la République a refusé de transmettre sans filtre au Parlement en dépit de sa promesse initiale ? Monsieur le ministre, je renforcerai aussi la critique émise par mes collègues et en renouvelle l'alerte. Nous avons malheureusement encore assez peu de lisibilité quant à l'application et à l'efficacité de cette loi. Il est par conséquent indispensable que l'application de la loi n'en amoindrisse encore davantage la portée et pour que ses effets même limités soient néanmoins réels. Alors, d'où ma seconde question, quels sont les outils pour piloter ce suivi ? Avez-vous une feuille de route récapitulative avec des points d'étape que vous pourriez présenter aux Françaises et aux Français ? Nous savons qu'il faut créer un choc ferroviaire, faire enfin du train une arme contre le changement climatique. Là encore, l'élan politique attendu n'a pas été donné par votre gouvernement et les efforts budgétaires, 3 milliards supplémentaires que nous avions votés ici même, ont été balayés par le 49.3. Alors, j'en viens rapidement maintenant aux zones à faible émission. Vous le savez, j'ai réalisé avec mon collègue Bruno Millienne une mission flash sur le sujet. Et nous avons déposé plusieurs propositions. Il était par exemple question d'une grande communication de l'État sur le sujet, au lieu de quoi, d'ailleurs, il y a un décret du 23 décembre qui vient modifier discrètement les seuils d'obligation de mise en place des ZFE. Nous proposions de revenir à l'usage pour permettre à toutes et tous d'entrer occasionnellement dans les ZFE, au moins 2 fois par mois, ou d'en sortir d'ailleurs, quelle que soit la classification critère de son véhicule. Nous proposions un meilleur ciblage des aides directes pour les personnes à revenus modestes, d'instaurer un prêt à taux zéro garanti par l'État, de développer les transports collectifs, bien évidemment, et d'étendre les ZFE aux industries et notamment aux installations portuaires pour lutter contre toutes les sources de pollution. Ici même, Monsieur le Ministre, vous aviez salué la qualité de ces propositions. Quand comptez-vous les reprendre pour permettre une application juste et acceptable de la loi ? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Le Seul. D'abord, je me réjouis, et puis c'est une sorte de galop d'essai pour la matinée de demain, puisque dans le cadre de sa niche parlementaire, le groupe RN a déposé une proposition de loi pour supprimer ces zones à faible émission. Et donc, je ne doute pas que dans quelques heures, ici même, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Vous avez fait un excellent rapport, plutôt une excellente mission flash avec Bruno Millienne. Et figurez-vous que c'est demain que la principale des mesures que vous attendez entre en vigueur, puisque demain, en début d'après-midi, le groupe de travail qui associe les 43 agglomérations de plus de 150 000 habitants commence à travailler avec 2 coprésidents, Jean-Luc Moudenc et la vice-présidente chargée des mobilités pour l'Eurométropole de Strasbourg. Eurométropole qui a mis en place le forfait 2 fois par mois que vous appelez de vos voeux. On leur demande 2 choses. Quelles sont les mesures pour renforcer l'accessibilité sociale des ZFE ? Et vu des territoires, quel accompagnement supplémentaire de l'État vous pourriez espérer ? Quel type d'harmonisation on peut envisager pour éviter justement que ceux qui voudraient transformer ces zones à faible émission en zones à forte exclusion, pas seulement dans la communication, mais dans les peurs, en soient pour leurs frais et qu'au contraire, on ait quelque chose qui fonctionne. On s'appuie sur les maires. Le Fonds vert va attribuer 15 millions d'euros à chaque ZFE, à chaque territoire ayant une ZFE en dépassement de normes. 6 millions, là aussi, pour la seule année de 2023, à tous ceux qui ont une ZFE sans dépassement de normes. Et 1 million à tous ceux qui lancent les processus d'études pour avoir des débuts de crédit pour les accompagner. C'est la première fois qu'on a des crédits budgétaires concrets, tangibles, pour accompagner la mise en place de ces zones à faible émission. Enfin, vous appelez de vos voeux un prêt à taux zéro avec une garantie par l'État. Nous finalisons le dispositif de garantie par l'État dont vous avez démontré qu'il était le seul moyen que le PTZ fonctionne dans ces ZFE. C'est une question de jours. Donc le reste arrivera demain. Ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, ces préconisations, on les suit presque toutes, y compris sur le rétrofit, sur le fait de pouvoir accompagner les aides au titre de l'occasion. On est déterminés. Le sujet, je me permets de le dire, c'est pas seulement le dérèglement climatique. Et c'est là d'abord pas le dérèglement climatique. C'est les 40 000 décès que nous avons à cause de la pollution atmosphérique. Et il y a, autour de la critique des ZFE, une forme de déni d'un problème de santé publique qui est crucial et qui rend les attaques contre ce dispositif particulièrement désagréables et hypocrites. Merci, Monsieur le Ministre. Question du groupe écologiste NUP par Madame Marie-Charlotte Garin.
Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, qui aurait pu prédire la crise climatique ? C'est vrai, ça. Qui aurait pu prédire les incendies, les inondations, les canicules, après des alertes dès les années 1970, 6 rapports du GIEC, 27 COP ? Mais en écoutant notre président, finalement, on comprend mieux. On comprend mieux les autorisations récentes de construction de terminaux méthaniers. On comprend mieux pourquoi l'État n'empêche pas Total de lancer ses projets climaticides comme le projet ICOP en Ouganda. On comprend mieux aussi les lois adoptées lors du précédent quinquennat et en particulier cette loi Climat et résilience de 2021. Cette loi, elle était très attendue, pas seulement par les écologistes, mais aussi par les citoyens tirés au sort que vous aviez vous-même convoqués et dont le travail devait être repris sans filtre. Qu'en est-il donc de la mise en œuvre des quelques mesures que vous avez consenti à faire voter ? Je vous interroge sur le secteur des transports, car c'est celui qui contribue le plus aux émissions de gaz à effet de serre de la France et où si peu a été entrepris, et notamment dans le secteur aérien. La Convention citoyenne pour le climat proposait d'interdire les vols intérieurs pour des trajets réalisables en 4 heures de train. L'ambition de votre gouvernement étant passée par là, on se retrouve avec un décret encore en cours d'élaboration pour l'interdiction des liaisons aériennes lorsqu'une alternative en train existe en moins de 2h30. On passe donc de 4h à 2h30. Donc, combien de temps vous faut-il et pourquoi n'êtes-vous pas allé au bout de l'ambition de la Convention citoyenne pour le climat ? Sans compter qu'on apprend dans le rapport de l'application de la loi qu'une liaison comme Lyon-Marseille serait exclue du dispositif. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui en France, en 2023, pour un trajet qu'on peut faire en TGV en 1h44, j'ai vérifié la durée du dernier train de ce soir, on prend encore l'avion. Et je crois que là, pour le climat et la résilience, on repassera. De tous ces petits pas, on retient finalement une chose. Vous ne comprenez pas qu'il en va de l'habitabilité de la planète. C'est la seule boussole qui devrait guider votre action. Dans cet hémicycle, avec ma collègue Marie Pochon, je fais partie de la génération qui vivra le plus longtemps avec les conséquences de votre inaction climatique. Imaginez les générations qui arrivent après nous. Quel avenir est-ce que vous pouvez nous promettre sans véritable planification écologique ? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le Ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, les mots ont un sens. Aujourd'hui, à l'échelle de la planète, il y a une vingtaine de pays qui ont commencé à baisser leurs émissions. Depuis 1990, l'Europe, quand on cumule les 27 pays, c'est moins 30% d'émissions. Le reste du monde, c'est plus 55%. Parler d'inaction climatique, comme si rien n'était fait, comme si rien n'avait été engagé dans le dernier quinquennat, c'est mensonger et c'est hypocrite. Vous pouvez expliquer, vous pouvez dire qu'il faut qu'on aille plus vite. Et je serai le premier à être à vos côtés. Dire que rien n'a été fait, ça n'est pas exact. Et je vais vous dire, c'est renvoyer le sentiment à une partie des Français qui ont fait des efforts, que les efforts qu'ils ont faits n'ont servi à rien et que ça n'est, en quelque sorte, comme si rien ne s'était passé. Quand vous parlez d'inaction climatique, c'est ce que vous dites. 23% de baisse d'émissions par rapport à 1990, à la minute où nous parlons. Un rythme de baisse des émissions qui a été multiplié par deux entre le quinquennat de M. Hollande, 5% de baisse des émissions, et le premier quinquennat de M. Macron, 12%. Le sujet, c'est que nous devons doubler à nouveau. C'est l'ambition et l'engagement qui a été pris. Cette ambition et cet engagement, ils passent par un certain nombre de processus, y compris démocratiques. On ne parle pas ce soir d'engagement pris par le gouvernement qui se serait traduit par une absence de vote. On parle d'un débat démocratique, parlementaire, qui a abouti ensuite à ce que des mesures soient votées. Et on est ce soir dans l'examen de où nous en sommes par rapport au processus législatif et ce que la représentation nationale a décidé de voter. Et de façon très concrète, quand vous évoquez les 2h30, il y a trois sujets. Pourquoi on est passé de 4h à 2h30 ? C'est à la fin le texte qui a été voté par l'Assemblée nationale. Pourquoi les décrets ne sont pas pris ? Air France a appliqué ce texte dès qu'il a été mis en œuvre, mais nous avions besoin, de la part de l'Union européenne, d'avoir la certitude que nous pouvions le généraliser, même si aucune autre compagnie ne contrevenait à cette mesure. Et ça n'est qu'à la fin de l'année que l'Union européenne a donné son go pour qu'on puisse prendre le décret. Le décret, le 10 janvier, il a été mis dans le processus de signature. C'est une question d'heure avant qu'il soit pris. Enfin, vous interrogez les exemptions qui sont prévues dans la loi quand il s'agit ensuite de pouvoir rejoindre en train une destination qui vous permet de faire une distance plus longue. Merci. Alors, des questions du groupe de la gauche démocrate et républicaine NUP avec Madame Karine Lebon. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, en 2007, un article du Monde titrait « La chute d'un pont au passage d'un cyclone menace d'isoler le sud de la Réunion ». La veille, les rafales de 150 km/h de Gamed faisaient s'effondrer le pont de la rivière Saint-Étienne, un des principaux axes routiers du sud de l'île. Ce cyclone a fait 2 morts, 90 blessés et a détruit des milliers d'habitations.
L'année dernière, le cyclone Batsirai a fait du surplace dans notre ciel. Nous sommes restés 38 heures en alerte rouge. Nous, habitants des Outre-mer, sommes et serons les premiers touchés par les conséquences du réchauffement climatique. Nous, habitants des Outre-mer, serons les premiers touchés par la montée des eaux. Nous, habitants des Outre-mer, serons les premières victimes du réchauffement des océans, déterminant quant à la fréquence et la puissance des cyclones. Selon une étude publiée dans Science Advances, d'ici 2050, ces dépressions tropicales seront deux fois plus fréquentes et d'une intensité qui devrait augmenter jusqu'à 24% en moyenne. Il existe une réglementation technique de la construction outre-mer qui, avec la RTA ADOM, traite des spécificités ultramarines. Il existe, à raison, des textes réglementaires relatifs aux risques sismiques adaptés à chaque territoire. Les aléas météorologiques, ces cyclones, doivent aussi être pris en compte dans nos constructions. Ils pourraient représenter seulement à La Réunion plus de 10 milliards d'euros de dégâts dans les 25 années à venir. Or, rien n'est prévu dans la loi. On nous a promis des consultations et un travail à ce sujet, mais nous ne voyons rien venir. Alors, à quand ? Faire preuve de résilience, c'est prévoir l'imprévisible. C'est accompagner nos territoires pour une rénovation de tous les bâtiments, publics ou privés, habitations ou infrastructures, afin que tout le monde soit en sécurité. L'heure est à l'urgence, mais en attendant, nous ne pouvons que citer une très juste parole de Jean-Claude Viader. « Si la pluie l'y veut tomber, laisse Ali tomber. Quand l'hiver arrive à terre, nous va trouver un moyen pour Amassali. » Merci. La parole est à Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Lebon, on est un tout petit peu à côté des mesures qui sont dans le texte, mais on est pleinement dans le sujet. Comment, en termes d'adaptation, on est effectivement capable, par rapport à des catastrophes naturelles dont nous savons qu'elles vont se multiplier, typiquement avec le risque cyclonique sur le territoire dans lequel vous êtes élu, de faire en sorte de changer notre réglementation. Depuis 18 mois, une concertation a été conduite qui, pour déterminer ces nouvelles règles, qui a aboutit à ce que, sous l'égide des préfets, on ait aujourd'hui deux approches différentes. Une aux Antilles, dans laquelle il y a une forme de satisfaction par rapport à ce qui est proposé par le gouvernement, et une à La Réunion qui aboutit à une assez forte opposition des représentants locaux qui ont été consultés. Nous avons donc pris la décision de laisser quelques semaines supplémentaires pour que cette concertation avec les acteurs réunionnais permette d'aboutir à une réglementation qui tienne compte de ce que les élus de ce territoire et les forces économiques nous indiquent. Mais l'objectif, il est bien celui que vous décrivez. Dès lors qu'on sait qu'on aura une multiplication par 4 ou 5 de ces épisodes cycloniques dans les années à venir, dans les années qui arrivent, avec le rythme de réchauffement que nous connaissons, nous allons modifier et renforcer les règles qui permettront de tenir compte de ce risque. Et les crédits, ceux du Fonds vert pour l'année 2023, pourront d'ores et déjà être utilisés par les collectivités locales sans attendre les évolutions de ces normes pour déjà renforcer les bâtiments dont elles ont la charge. Mais je vous assure que ces nouvelles réglementations applicables, en particulier à La Réunion, entreront en vigueur dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois en fonction de l'avancement maintenant des dernières rounds de concertation locaux. Merci. Passons maintenant à des questions du groupe Renaissance avec Monsieur Lionel Cos pour 2 minutes. La lutte contre l'artificialisation des sols a été portée par notre majorité au sein de la loi Climat et Résilience et se traduit de manière très concrète au travers de mesures visant par exemple à diminuer la consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers de moitié sur la décennale 2021-2031 par rapport à la décennale précédente. Critiquée après son adoption qu'en n'étant pas assez ambitieuse et trop lointaine, cette mesure fait désormais l'objet d'une levée de boucliers de la part d'acteurs chargés de sa mise en œuvre. Elle est jugée contraignante avec une application trop rapide malgré les assouplissements de la loi 3DS. Alors que l'artificialisation des sols est aujourd'hui l'une des causes premières du changement climatique et de l'érosion de la biodiversité, les sénateurs ont déposé le 14 décembre 2022 une proposition de loi qui, sous couvert d'une sauvegarde des objectifs initiaux, détricoterait la loi en la complexifiant davantage et en ne répondant pas réellement aux attentes des élus locaux concernés. En réponse et en dehors de toute posture électoraliste, il semble nécessaire de faire évoluer le texte initial sur plusieurs aspects, comme l'a proposé le groupe de travail sur le sujet que je coanime avec mon collègue Bastien Marchive. Il pourrait ainsi être proposé la mise en place d'une garantie rurale, la mutualisation entre régions de projets d'intérêt national et européen, ou encore le passage à un calendrier défini par période de 15 ans afin de donner plus de temps aux collectivités entre l'adaptation de leurs documents sans remettre en cause les objectifs.
Aussi, quelle est votre position, Monsieur le ministre, dans les mois qui viennent pour éviter que ces turbulences à venir fassent que Lausanne ne soit menacée et que la loi climat soit ainsi vidée de sa substance ? Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lionel Cos. C'est un des points les plus ambitieux et les plus importants de la loi climat et résilience. Pour une raison simple, c'est que l'artificialisation des terres, elle coche toutes les cases. Elle participe à créer des îlots de chaleur. Elle empêche que les nappes phréatiques puissent se reconstituer. Et elle participe ensuite à l'accélération d'un certain nombre de phénomènes, d'éboulements, d'écoulements, etc. Certaines maladresses, surtout dans le décret nomenclature, paru entre les deux tours de l'élection présidentielle, ont conduit à ce qu'on ait un début de levée de bouclier ajouté au fait que les SCOT ne sont pas parvenus à des consensus naturels, ce qui n'est pas totalement surprenant. Mais le constat, il est simple. En 50 ans, on a plus artificialisé dans ce pays qu'en 500 ans. Et ça n'est pas justifié parce qu'on aurait fait massivement des logements. On a totalement décorrélé les artificialisations de terre des besoins que nous avions en prenant des habitudes non soutenables. Le Sénat vient de déposer un texte issu du travail de quatre commissions de manière transpartisane qui, sur certains aspects, propose des évolutions intéressantes que nous retrouvons, en particulier sur le fait de nous retrouver dans des grands projets d'envergure nationale. Je pense à Seine-Nord-Europe ou à des projets de ce type qui doivent être sortis des trajectoires des régions qui les concernent, sinon on asséchera les droits, tout en restant comptabilisés sur le plan national. Pose la question d'une garantie rurale pour ne pas désespérer des territoires qui aujourd'hui redoutent le texte sans que ça corresponde à une réalité, mais qui parfois vont trop loin. Quand les sénateurs disent on va donner un hectare gratuit à chaque commune de ce pays, quel que soit son nombre d'habitants et sa trajectoire démographique, on aura un souci. Parce qu'avec le nombre de communes dont on dispose, ça reviendrait à vider de sa substance une grande partie du texte. Il nous faut donc trouver un compromis en reprenant quelques-uns de ces éléments. Et j'ajoute, en prévoyant un volet financier et fiscal, il faut qu'on rende plus cher l'artificialisation pour dégager des crédits qui permettront d'aller reprendre et les friches et les cœurs de ville qui sont pour partie abandonnés. Je pense que ça, c'est un volet sur lequel la co-construction législative devrait nous permettre d'avancer. Merci. La parole est à Madame Sandrine Lefeur. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'article relatif à l'instauration du plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais azotés minéraux a été l'objet d'âpres débats l'année dernière lors de l'examen de la loi Climat et Résilience. La mise en place de ce plan d'action est le fruit d'un compromis entre le statu quo et la mise en place d'une redevance. Dans un contexte de stagnation des émissions, malgré 10 ans de politique publique entreprise pour les réduire. Les émissions de protoxyde d'azote représentent 44% des émissions du secteur agricole, lui-même responsable de près de 20% des émissions de CO2 de la France. Les émissions de protoxyde d'azote représentent donc 10% de nos émissions nationales et leur réduction semble aujourd'hui encore compromise. L'urgence est réelle. En cas de poursuite de la stagnation de ces émissions, la loi envisage la mise en place d'une redevance, incitation financière, à même de provoquer le changement de pratique attendu de longue date. Ma question est donc la suivante. Pourriez-vous indiquer l'état d'avancement 1. De la mise en œuvre du plan d'action et des financements dédiés, 2. De la réduction des émissions attendues. En cas de poursuite de la stagnation des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote ou de réduction insatisfaisante au vu des objectifs de la stratégie nationale bas carbone, comment envisagez-vous de déployer la nécessaire redevance, sous quelles modalités et quel calendrier ? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Lefeur. Deux décrets, un du 8 décembre, un du 26 décembre, répondent pour partie aux interrogations que vous avez. La trajectoire sur la diminution de l'azote, c'est le 26 décembre. Le 8, ça a été effectivement le prépa. Et ce que vous évoquez dans le cadre de ce qu'on appelle le PANEA, avec y compris la possibilité d'une redevance, est en cours d'ultimes allers-retours entre Bercy, puisqu'il y aurait un caractère fiscal, bien entendu, à cette redevance, et le ministère de la Transition écologique, et sera soumis, vous sera présenté pour qu'on puisse regarder si les éléments sont crédibles. Un certain nombre de choses ont été évoquées, je ne vais pas entrer dans le détail de tout. La réduction des pesticides, c'est un des sujets sur lequel nous avons, en France, une crédibilité qui
est lié à des textes qui ont été votés. On s'est aperçu récemment qu'on avait quelques trous dans la raquette puisqu'on avait des petits malins qui s'amusaient à exporter les substances actives puisque les décisions qui avaient été prises sur le refus d'exportation ne portaient que sur les produits contenant ces substances et pas sur les substances elles-mêmes. On a obtenu à Montréal d'arriver à convaincre, avec le seul appui de la Colombie hors Union européenne, la mise en place d'une cible 7 dans le cadre de la COP15 pour s'engager sur une réduction de 50% des risques de pesticides dans les années qui viennent. Je souhaite qu'on conserve cette avance. On a évidemment le gros irritant des néonicotinoïdes, dont je veux quand même dire à ceux qui ont voté son interdiction en 2016 que ça n'a pas été sans effet. Il y avait 4,4 millions d'hectares et 130 types d'usages agricoles qui utilisaient le néonicotinoïde. Il en reste un sur moins de 300 000 hectares. Il est souhaitable qu'il n'y en ait plus sur aucun hectare. Et c'est le même chemin qu'on doit être capable de prendre pour d'autres types de polluants et de pesticides. Et de ce point de vue, vous pouvez compter sur ma détermination qui est absolument totale. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Véronique Rioton. Merci, Madame la Présidente. L'application de la loi Climat et Résilience est une brique fondamentale dans notre politique climatique et plus particulièrement notre construction d'une véritable économie circulaire à la suite de la loi AGEC que j'ai eu l'honneur de porter. Plus précisément, l'article 12 de cette loi, qui devient article 25 dans la promulgation, ouvre la possibilité de mettre en place une consigne pour réemploi dès 2023, après une évaluation préalable confiée à l'Observatoire du réemploi qui doit avoir lieu avant le 1er janvier 2023. Malheureusement, cette évaluation n'a pas encore eu lieu et cela pose un problème car la consigne est justement une étape essentielle pour atteindre les objectifs de collecte. Il est absolument impératif que nous continuions à avancer sur ce sujet et ce pour quatre raisons. La première, 59% des Français déclarent avoir intégré l'impact environnemental dans leur choix de consommation et 88% sont pour la consigne. Nous constatons sous tous la tension sur l'accès aux ressources et sur la hausse du coût de l'énergie qui doit amener les producteurs et les consommateurs, même les plus réticents, à basculer vers des systèmes plus vertueux comme la consigne pour réemploi. La consigne doit pousser également plus de standardisation et d'harmonisation entre les industries. Plusieurs zones géographiques en France, je pense à l'Alsace ou à l'étranger, en Allemagne, n'ont jamais arrêté et cela marche très bien avec les consommateurs et les industriels. Enfin, la directive en cours de discussion au niveau européen parle d'objectifs de réemploi très élevés en fonction des secteurs d'activité qui consomment le plus, café, bar, restaurant, grande distribution. Nous devons donc prendre l'initiative dès maintenant de préparer ces secteurs et d'anticiper au maximum. Qu'en est-il, Monsieur le Ministre, de cette évaluation et des missions de l'Observatoire du réemploi pour rendre effectif dès 2023 un dispositif de consigne plus dynamique, plus large et plus contraignant? Je vous remercie. Merci, Madame la députée, Monsieur le Ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Rioton. C'est en milieu d'année, et j'espère plutôt dans le deuxième trimestre que vraiment en milieu d'année, que nous aurons de la part de l'ADEME l'ensemble des éléments d'analyse que vous avez pointés, aussi bien sur les impacts, en particulier économiques pour les filières, que les modèles qui pourraient être mis en place pour aller dans ce domaine. Sans attendre les conclusions de l'ADEME, on va pouvoir lancer une partie des consultations pour regarder comment cette consigne pourrait être effective et comment cette année 2023 pourrait être celle de la mise en place de ce dispositif. Vous l'avez rappelé, il y a à la fois des objectifs qui sont ambitieux, et je sais que quand je m'adresse à vous, je m'adresse également à celle qui était jusqu'à il y a peu de temps la présidente du Conseil national de l'économie circulaire et qui, à ce titre, a particulièrement travaillé sur ces sujets, en particulier sur les bouteilles en plastique, pour lesquelles nous devons atteindre 75% de recyclage à un horizon 2025, et avec des chiffres qui continuent d'augmenter ensuite. Au 1er janvier de cette année, on est aux alentours de 60%, mais on sait que les marches à atteindre sont particulièrement élevées, qu'il y a des grosses disparités entre les territoires et entre les filières qui les amènent. Et là, il y a aussi des enjeux de cohérence, puisque la France accueillera au mois de mai une conférence internationale sur l'élimination du plastique, qui se situe dans les jalons internationaux de la diplomatie environnementale et qui sera à la fois aussi pour nous une occasion d'aller pousser des thèmes qui nécessitent qu'on continue à faire preuve d'exemplarité sur ces sujets. Donc, je sais votre attachement à la consigne, et je ne formulerai pas trop de vœux pour l'année 2023, mais en tout cas celui que vous puissiez être particulièrement satisfaite dans ce domaine quand on regardera le chemin qu'on aura parcouru au début de l'été, par exemple.
Merci, Monsieur le Ministre. Passons maintenant aux questions du groupe Rassemblement national, avec une première question posée par Monsieur Grégoire de Fournasse. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, étendu par la loi portant contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les zones à faible émission se multiplient dans notre pays. Depuis le 1er janvier, les Français les plus modestes peuvent être verbalisés d'une amende de 68 euros dans 10 agglomérations. Et au 1er janvier 2025, ce sont 43 agglomérations qui seront concernées. À cette date du 1er janvier 2025, les véhicules dotés des vignettes critères 5, 4 et 3, qui représentent 40% du parc automobile actuel, un chiffre que vous contestez mais que je suis allé vérifier, ces véhicules ne pourront plus accéder à ces agglomérations, dont Bordeaux, à la frontière de ma circonscription. Cette mesure s'applique aux habitants de ces métropoles, mais aussi à ceux qui habitent à l'extérieur. En d'autres termes, la quasi-totalité de nos compatriotes sont concernés par cette mesure. Ce dispositif touche les particuliers, et en premier lieu les plus modestes, mais aussi les professionnels, dont les artisans, commerçants et aussi, permettez-moi d'en parler, les viticulteurs qui ont besoin d'accéder dans les centres-villes pour vendre leur vin. Pour moderniser le parc de véhicules et le rendre accessible à ces ZFE, il existe des aides, mais le reste à charge serait d'un minimum de 20 000 euros pour l'achat d'une voiture de critère 1, comme le révèle la récente mission flash, de la Commission Développement Durable. Une immense partie des Français sont en incapacité totale de débourser une telle somme et sont donc exclus des ZFE. J'espère sincèrement que la proposition de notre collègue Pierre Meurin de supprimer les ZFE sera votée demain. Mais si par malheur ce n'était pas le cas, que comptez-vous faire, Monsieur le Ministre, pour les Français qui n'ont pas les moyens de s'acheter un véhicule compatible avec les ZFE malgré les aides prévues ? Merci, Monsieur le député, Monsieur le Ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député de Fournasse, vous souhaitez qu'on commence tout de suite à faire ce soir ce que nous allons faire demain dans le détail. Je veux poser deux préalables. D'abord, les zones à faible émission, ce n'est pas une invention française. Il y a 270 zones à faible émission dans 14 pays de l'Union européenne. Si ça n'existait pas ailleurs, si ce type de dispositif n'existait pas en Italie, en Suède, je prends des pays qui vous servent de modèle depuis quelque temps, je pense qu'à bien des égards, d'autres Européens auraient pris la décision de faire en sorte d'abandonner ce type de mesure. Ensuite, je conteste vos chiffres pour une raison simple. C'est qu'on confond deux choses dans le débat. On confond les obligations qui sont prévues par la loi. L'obligation qui est prévue par la loi, c'est de dire qu'au 1er janvier 2025, les agglomérations de plus de 150 000 habitants doivent avoir mis en place des zones à faible émission qui s'appliquent aux critères 5. Les décisions qui vont plus vite, c'est ou parce que vous êtes en dépassement de seuil et que vous avez une pollution atmosphérique qui est avérée, ou parce que vous décidez vous-même, sans y être contraint par la loi, d'aller plus loin. C'est vrai pour les véhicules utilitaires des artisans qui ne sont pas soumis à un calendrier législatif, ce qui explique qu'à Reims, il y a des exemptions pour les viticulteurs en considérant que la mise en particulier, que le changement du parc nécessite et du temps et des moyens qui sont complexes. C'est ce qui explique que les obligations pour les motards qui ne sont pas prévues par la loi, elles s'appliquent en fonction de ce que les élus peuvent décider en fonction des territoires sur lesquels ils se retrouvent. Et ensuite, le type d'aide, il varie à la fois en fonction du niveau de revenu et de la situation. Il y a des aides qui existent depuis l'été dernier pour les professionnels. Et on a aujourd'hui une difficulté, c'est qu'on a des niveaux d'aide qui sont relativement élevés. Mais comme il n'y a pas de marché de seconde main, puisqu'on peut quasiment atteindre les 18 000 euros d'aide si vous cumulez la totalité des critères, mais comme il n'y a pas de marché d'occasion, on a aujourd'hui une difficulté à avoir un reste à payer qui soit faible. Néanmoins, on considère qu'il faut d'abord qu'on aide la filière à produire des véhicules en France pour ne pas que les aides servent massivement à acheter des véhicules chinois, ce qui explique en particulier que le leasing se mette en place qu'au deuxième semestre de cette année ou qu'une partie de ces mesures ait vocation ensuite à s'appliquer dans le temps. La suite tout à l'heure, enfin demain. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Jérôme Buisson. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Madame la Présidente, votre gouvernement a mis en place l'objectif zéro artificialisation nette en 2050. Le Rassemblement national conteste cette mesure, tout d'abord sur le fond. Vos erreurs d'aujourd'hui préparent les crises de demain, comme avec votre politique énergétique, vos prévisions décroissantes préparent les pénuries de foncier de demain. Comment voulez-vous réindustrialiser le pays, redynamiser les territoires ruraux ou résoudre la crise du logement en interdisant les constructions ? Comme toujours, vous pénalisez la France rurale à laquelle vous souhaitez interdire la maison individuelle. Votre doctrine est la suivante : s'ils n'ont plus le droit de construire leur maison, qu'ils vivent en immeuble. Nous sommes régulièrement interpellés par les maires des petites communes qui sont inquiets, à juste titre, des conséquences de vos choix sur le développement de leurs communes.
Votre dogme génère une profonde inégalité territoriale. Preuve en est, la région Bourgogne-Franche-Comté a artificialisé 6,6% de son territoire. L'Île-de-France, quant à elle, a atteint 21%. Et pourtant, ces deux régions seront soumises aux mêmes restrictions. Votre ambition en matière de politique énergétique sont par ailleurs aux antipodes de vos objectifs ZAN, avec le développement des énergies éoliennes et solaires qui sont les plus consommatrices en termes de surface au sol. Nous contestons aussi les modalités de cette politique. Encore une fois, vous agissez selon un dogme et dans la précipitation. À titre d'exemple, les délais de révision des documents d'urbanisme prévus par cette loi semblent irréalistes. La renaturation mise en place par les collectivités entre 2021 et 2031 ne sera pas prise en compte dans les indicateurs d'artificialisation. Et les Outre-mer sont encore pénalisés car en forte dynamique démographique et en retard sur leurs obligations en termes de logements sociaux. D'où ma question, Monsieur le Ministre, allez-vous enfin adapter votre projet à la réalité et réviser l'objectif ZAN au regard de ces éléments? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le Ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Buisson, vous terminez par quelque chose de juste. C'est que dans les coquilles, on ne peut pas attendre 2031 pour que la renaturation permette d'aller redonner des droits à construire. Et je vous confirme que c'est un des points sur lequel le gouvernement est totalement disposé à changer le texte, que ce soit via un texte déposé par la majorité présidentielle ou par quelques groupes que ce soit, parce que là, il y a un problème de cohérence. En revanche, parler de précipitation pour lutter contre l'artificialisation des sols semble être un peu excessif. Encore une fois, regardez d'où nous venons. On n'est pas en train de dire qu'à partir de maintenant, il faudrait arrêter de construire. On est en train de dire qu'il faudrait limiter à 12 000 hectares par an ce que nous artificialisons dans le pays. Il y a 200 000 hectares de friches qui ne comptent pas dans la trajectoire d'artificialisation. Il y a ce qui est rendu possible, typiquement aussi en termes de renaturation. Alors, vous pointez du doigt un élément juste, c'est qu'on a potentiellement des décorrélations entre les dynamiques de population et les dynamiques d'artificialisation. Mais c'est pour ça que le Parlement a décidé qu'il y aurait une territorialisation de la mise en œuvre. Et un des enjeux, c'est ça. Alors, on a un petit sujet de temps, qui est effectivement peut-être de laisser un peu plus de temps à la concertation dans le cadre des SRADET pour que les territorialisations puissent se faire, et on a une garantie rurale à apporter. Sur ces points-là, on est prêt à bouger. Il y a deux choses qui ne bougent pas. Le 2050 et la division par deux. Parce que ça, encore une fois, c'est toute une partie de l'habitabilité de nos territoires qui se joue. Et encore une fois, on ne peut pas dire que dès lors qu'on cesse d'artificialiser, on cesse d'accueillir de la population. On constate toutes les situations dans ce pays, des territoires qui ne construisent pas alors qu'il y a des habitants qui cherchent à se loger, d'autres qui construisent mais dans lesquels il y a des logements qui sont vides. Et au lieu de construire des logements neufs, on ferait mieux de réhabiliter une partie de ce qui existe, y compris pour soutenir les commerces de proximité en centre-bourg plutôt que d'aller construire des pavillons en périphérie. Et ce n'est pas un modèle ou un dogme de la part du gouvernement, c'est un constat. On ne peut pas continuer sur le même rythme. Merci, Monsieur le Ministre. Nous passons maintenant à des questions du groupe La France Insoumise, NUP, avec tout d'abord Monsieur Loïc Prud'homme. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, collègues, nous discutons ce soir de l'application de la fameuse loi Climat et Résilience, soi-disant issue des travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Mais déjà lors des discussions au mois d'août 2021 et du vote, notre groupe avait démontré que cela n'était pas le cas. Aujourd'hui, mes collègues de la NUPES ont pointé la lenteur de mise en place de cette loi, déjà très peu ambitieuse. Pourtant, sur le sujet du changement climatique, nous avons derrière nous 30 ans de rapports scientifiques du GIEC et notamment l'alerte du sixième rapport de 2021-2022. Nous avons derrière nous les sécheresses de 2019 et de 2022. Nous avons derrière nous les travaux du Haut Conseil pour le climat, installé en 2018 par le président Macron, Haut Conseil pour le climat, qui a publié en 2020, Monsieur le Ministre, la carte des impacts du réchauffement climatique. Nous avons derrière nous des scientifiques qui dépensent une énergie incroyable pour sensibiliser les décideurs publics. Nous avons ici des sessions au Parlement et vous-même avez pu bénéficier d'un séminaire gouvernemental en septembre 2022. Alors, ma question est simple, Monsieur le Ministre. Qui aurait pu prédire ? Alors, qui aurait pu prédire que l'inaction climatique serait un choix politique, justifié par l'argument fallacieux que nous serions dépassés par les forces de la nature. Merci, Monsieur le Ministre. Madame la Présidente,
Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Prud'homme, je crois comprendre, malgré l'heure avancée de cette journée, que je dois plutôt prendre votre question au second degré plutôt que d'être capable de vous répondre de manière effective sur qui aurait pu prédire. Je veux dire deux choses. La première, c'est que ce que vous avez énoncé, c'est précisément la raison pour laquelle non seulement le gouvernement agit, mais il accélère. Et vous avez omis un élément dans votre présentation. C'est le fait de souligner le lancement d'une formation des 25 000 plus hauts cadres de l'État, parce qu'on sait qu'à partir du moment où on présente la réalité de ces rapports et de ces enjeux, on met en mouvement, y compris des gens qui n'étaient pas sensibilisés à ces questions. Et de ce point de vue, c'est une des démonstrations de la Convention citoyenne pour le climat. Et on a doublé, en plus du lancement de ce plan de formation pour les 25 000 plus hauts cadres de l'État, un plan de formation pour tous les maires de ce pays qui va s'organiser à l'échelle des départements, que mon ministère coordonne et lance, et qui va non seulement s'appuyer sur ce qu'on sait d'un point de vue scientifique, mais aussi sur les données par département, sur le modèle de ce qui s'est fait dans le département de l'Indre, où des agents de l'État, mais aussi de Météo France, de l'ONF, de l'ADEME, vont venir montrer ce que sont déjà, à partir des courbes de température de ces dernières années, la réalité d'un changement qui est à l'œuvre et les mesures qui peuvent être prises de manière immédiate, sans forcément le vote de loi ou de décret pour avancer. Couplé aux 2 milliards du fonds vert et à la mise en place des budgets verts dans les collectivités locales pour être capable de détourer là aussi les dépenses brunes des dépenses vertes, nous pensons qu'il y a matière à avoir un vrai pacte entre l'État et les territoires qui permet d'accélérer et d'agir de manière plus efficace. Merci. La parole est à Madame Muriel Levrault. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. La loi Climat et Résilience a prévu d'ajouter, en plus de la formation à la santé et à la citoyenneté des élèves, la formation à l'environnement. Pour cela, l'idée a été de s'appuyer sur les comités d'éducation des établissements qui sont chargés de conduire toutes les actions d'éducation et de prévention. Présidés par les chefs d'établissement, ces derniers sont libres de choisir des personnes qualifiées, désignées pour 3 ans dans les domaines correspondant aux missions du comité, dont des partenaires extérieurs. Là, une première chose m'interpelle. Les problématiques environnementales sont complexes et encore peu de professionnels les maîtrisent. En effet, ces thématiques sont nouvelles dans les programmes scolaires et les formations des professionnels ne les abordaient jusqu'ici que très rarement. Les chefs d'établissement ne sont donc pas spécifiquement formés. Dès lors, comment choisir les membres du comité d'éducation dédié à l'environnement et comment définir les actions de l'établissement à mener ? Aussi, variant d'un établissement à l'autre, on peut se demander comment créer un socle de connaissances homogènes. Cela ne peut-il pas constituer un nouveau facteur d'inégalité scolaire entre les établissements ? De plus, comment repérer certains lobbies qui gravitent autour des questions écologiques et les empêcher de se faufiler dans les enseignements, ce qui pose de véritables questions quant à l'objectivité et la neutralité des savoirs dispensés au sein des établissements scolaires. Par conséquent, quels sont vos premiers retours de terrain et ne pensez-vous pas que cette formation à l'environnement devrait être prise avec sérieux et donc être dispensée par du personnel formé par l'éducation nationale ? Merci. Merci. La parole est à Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, je ne peux pas répondre à votre question de manière précise. Vous avez fait le choix de ne pas me laisser savoir ce que serait le domaine dans lequel elle serait posée et je vous avoue qu'elle est tellement précise que je n'ai du coup pas pu demander ce qu'était le retour d'expérience au début. Mais je peux témoigner du coup de manière très libre et spontanée de ce que nous sommes en train de faire. D'abord, avec le ministre de l'Éducation nationale, on travaille dans 3 directions. La première, c'est les programmes. Parce qu'on continue par exemple à expliquer ou à vanter les mérites de la révolution industrielle sans expliquer que c'est le moment où le réchauffement climatique a commencé et où on a commencé à se retrouver avec des températures qui se sont écartées des tendances sur lesquelles nous étions. Le deuxième, c'est la question des éco-délégués. On sait que la participation des habitants, quel que soit leur âge, peut aussi être un moyen d'accélérer une prise de conscience. Et dans beaucoup de domaines environnementaux, c'est par les établissements scolaires. Je pense au tri, par exemple, des déchets, mais dans un autre domaine, au port de la ceinture à l'arrière de la voiture, que l'éducation de l'ensemble des familles et du pays a pu se faire. Et là, il y a un enjeu en nous appuyant sur ces éco-délégués, sur la capacité à faire en sorte de pouvoir généraliser tout ça. Enfin, il y a ce qui se met en place dans l'enseignement supérieur et qui a été présenté en octobre par la ministre Sylvie Retailleau et qui correspond pour le coup à ce que vous souhaitez. Repérer ce que sont les capacités de formation en interne, les forces vives qui existent dans nos universités et qui permettent d'aller construire à la fois des corps de formation et des temps
et des modules types à destination de tous les élèves de l'enseignement supérieur. Et donc, très concrètement, il y a là des pistes sur la manière dont on pourrait généraliser et trouver des modes qui permettent de répondre à certaines des objections pertinentes que vous venez de faire sur la nécessité d'avoir quelque chose qui se déploie partout sur le territoire national, de la même manière en fonction des établissements, alors qu'on a parfois des degrés de connaissance, de pertinence ou d'accès à des formateurs qui peut différer en fonction des territoires. Merci, Monsieur le Ministre. Nous passons maintenant au groupe démocrate avec la question de Madame Maud Petit. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma question concerne l'objectif de réduction de bétonisation de nos sols. La loi Climat et Résilience prévoit d'ici 2030 la division par deux du rythme d'artificialisation des sols et le zéro artificialisation nette d'ici 2050, des mesures devant être appliquées par l'ensemble des collectivités territoriales. Nous le savons, l'artificialisation accélère la perte de biodiversité et amplifie notamment les risques d'inondation. Dans ma circonscription, la 4e du Val-de-Marne, nous constatons les effets délétères de l'urbanisation massive. Certaines communes ont, selon la plateforme SPART, une consommation d'espace déjà élevée, comme Villiers-sur-Marne, qui peut s'expliquer en partie par la forte concentration de la population sur la ville. Je me demande ainsi comment certaines communes pourront atteindre ces objectifs et, dans le même temps, respecter d'autres obligations. Celle de la loi Allure, par exemple, pour la commune d'Ormesson-sur-Marne, qui s'est vue préempter son permis de construire afin d'accélérer la création de logements sociaux, engendrant donc une bétonisation supplémentaire dans une commune qui est sujette potentiellement à des inondations. Ou encore la plus petite commune de ma circonscription, Noiseau, déjà dans la fourchette haute de consommation de sol du fait de l'urbanisation contrainte et qui risque d'accueillir prochainement la construction d'un établissement pénitentiaire de 800 places. L'urgence écologique nous oblige à agir dès à présent. Aussi, Monsieur le Ministre, comment accompagner les communes dans la réalisation d'objectifs primordiaux, mais qu'il semble difficile de combiner, particulièrement dans les territoires ultra urbanisé. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur le Ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Petit. Il y a déjà des milliers de communes de ce pays qui sont en zéro artificialisation nette. Pas forcément choisies, mais subies. Celles qui sont en zone inondable, celles qui sont bordées par des appellations d'origine contrôlée qui ne permettent pas d'aller empiéter sur tel ou tel territoire, ou une commune comme Paris, sur lequel aujourd'hui les espaces naturels assez franches sont assez limités, et c'est le cas en particulier dans la région Île-de-France. Dire que certains n'auraient pas les réserves pour continuer à se développer, ce serait imaginer que chaque commune pourrait avoir une sorte de droit d'extension sans limite. Et ça n'existe pas, y compris parce qu'il n'y a pas une taille minimale de communes et des disparités qui sont déjà énormes en fonction du territoire. Ensuite, vous pointez plusieurs situations dans votre circonscription. Je commence par la fin. Demain, la construction d'un établissement pénitentiaire, l'idée, c'est de ne pas l'imputer à la commune dès lors que ça s'inscrit dans un objectif d'intérêt national. Et c'est de le reprendre à l'échelle de la solidarité nationale parce que ça rend service et que sinon, on risque d'avoir des territoires qui disent « Moi, je ne veux pas accueillir sur mon territoire un projet, même s'il sert les autres, parce qu'il vient me priver de droits que j'aurais, moi, à pouvoir légitimement me développer. » Donc ça, on va le traiter dans le cadre des grands projets d'envergure nationale qui feront partie des points sur lesquels il y aura des bougies législatives. Ensuite, vous évoquez la difficulté qu'on peut avoir entre d'un côté la nécessité de construire des logements sociaux et de l'autre se retrouver avec peu d'espace pour construire. Il y a des écarts de densité qui sont considérables dans ce pays. Et quand je parle de densité, je ne parle pas que d'opposer les collectifs aux maisons individuelles ou aux pavillons. Vous pouvez avoir aujourd'hui des programmes de maisons individuelles avec des densités qui sont comparables à celles de petits collectifs. Vous pouvez parfois avoir des collectifs qui ont des densités, parce qu'il y a beaucoup d'espace autour, comparables à des zones pavillonnaires. Il y a donc aussi une façon de construire. Et là, le soutien en termes d'ingénierie, du CEREMA en particulier, de l'ANCT, ce sont des leviers pour accompagner chacune des communes concernées. Mon ministère est à la disposition des maires de votre circonscription pour trouver des solutions. Merci, monsieur le ministre. Une question des non-inscrits avec Madame Emmanuelle Ménard. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 donc, s'est donnée pour objectif de traduire une partie des 146 propositions de la Convention citoyenne pour le climat
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. Un des objectifs de cette loi est simple, on en a parlé à plusieurs reprises ce soir. D'ici 2050, le zéro artificialisation des sols devra être atteint. Et si je partage tout à fait la volonté de lutter contre la bétonisation abusive des terres, et plus particulièrement des terres agricoles, je m'interroge sur certains cas particuliers, comme la nécessaire implantation d'entreprises qui ont justement des visées écologiques, et notamment les grands projets d'envergure nationale dont vous venez de parler. Je pense aux entreprises comme Genvia à Béziers, qui innovent pour permettre de trouver de nouvelles sources d'énergie plus propres et plus respectueuses de notre environnement. Véritable chef de file en matière d'innovation sur l'hydrogène décarboné ou bas carbone, il serait impensable d'empêcher que de telles entreprises puissent s'implanter, bloquées par l'objectif zéro artificialisation des sols, alors qu'elles ont besoin de terrain pour se développer. Pourtant, ce risque existe, puisque la loi climat résilience prévoit que dans le cadre des schémas établis par les SCOT, chaque collectivité intègre dans son document d'urbanisme ou de planification un objectif chiffré de réduction de l'artificialisation des sols. Et pour chaque collectivité, il existera donc une enveloppe de capacité à construire. Aussi, pour mener à bien ce type de projet essentiel à l'économie locale et dans le cas de Genvia à l'indépendance énergétique de la France, il est essentiel de pouvoir sortir les terrains ainsi consommés de l'enveloppe réservée à chaque collectivité dans le cadre du SCOT. Ma question est donc simple, Monsieur le Ministre, accepterez-vous d'exclure les terrains réservés à ces grands projets et notamment ceux qui sont liés à l'hydrogène décarboné des enveloppes de capacité à construire attribuées dans le cadre des SCOT? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Ménard. Pour être très clair, d'abord, il y a déjà aujourd'hui, avant le ZAN, des enveloppes capacitaires qu'on ne peut pas dépasser dans le cadre des SCOT et des PLU. La particularité du ZAN, c'est de dire on va prendre la moyenne de ce qu'on a fait depuis 10 ans et on va la diviser par deux. Sans attendre le ZAN, les élus locaux ont commencé à diminuer. Et donc, pour être clair, on était sur 30 000 hectares par an qui étaient consommés il y a moins de 10 ans. On est sur un rythme aujourd'hui qui est plus proche des 20 000 avant la mise en œuvre du ZAN. Et on aura donc un point d'équilibre qui sera entre 12, 13, 14 000, le chiffre précis est aux alentours de ça, par an. Ce n'est pas un passage à zéro. Ensuite, l'idée, c'est de s'appuyer sur les régions pour territorialiser ses droits. Ce n'est pas de dire chacun prend ce qu'il avait et est divisé par deux. Sinon, vous pénalisez ceux qui ont été vertueux et vous récompensez ceux qui ont beaucoup consommé. Et vous ne tenez pas compte des projets. Et ce que vous venez de pointer, c'est très justement le fait qu'indépendamment des sujets d'habitat qui ont été évoqués par la députée Petit il y a quelques instants, on a le sujet crucial de la réindustrialisation, y compris pour une question d'empreinte carbone. Parce que produire ici, de point de vue industriel, c'est éviter de faire venir des produits qui sont faits au bout du monde, dans des conditions climatiques bien plus défavorables, avec du charbon, avec les coûts de transport importés pour venir. Deux options. La première, ce serait de dire chacun se débrouille. La deuxième, compte tenu de projets qui peuvent être emblématiques, c'est d'imaginer qu'on puisse avoir un comté à part national pour des projets qui sont d'intérêt général et un comté à part régional pour des projets industriels qui permettent d'avoir des soutiens à l'échelle des territoires. Parce que si c'est l'État qui dit j'exonère tel projet, ça veut dire qu'à la fin, ce ne sont pas les maires qui se battront pour accueillir les projets, c'est qu'on viendra demander au préfet ou au ministre d'avoir l'exonération pour accueillir l'entreprise. Et on arrêtera d'être dans une politique où on s'appuie sur les élus locaux pour retomber dans une forme d'économie administrée. Donc même si ça peut sembler être une bonne idée de prime abord, je pense qu'il est souhaitable de le faire à l'échelle des territoires et pas à l'échelle nationale, à la différence des prisons, des centrales nucléaires, de Seine-Nord-Europe ou des LGV, pour lesquels là, il est logique que ce soit l'État qui assume ce comté à part. Merci, Monsieur le ministre. Le débat est clos. Prochaine séance, demain à 9h, avec la proposition de loi visant à inciter les entreprises à augmenter les salaires nets de 10%, la proposition de loi visant à supprimer les zones à faible émission mobilité, la proposition de loi visant à étendre le droit de visite des parlementaires aux établissements sociaux et médico-sociaux, la proposition de loi visant à instituer dans les écoles et les collèges publics le port d'une tenue uniforme, la proposition de loi visant à revivifier la représentation politique, la proposition de loi modifiant le calcul de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la proposition de loi visant à instituer une présomption de légitime défense pour les membres de forces de l'ordre. La séance est levée.